alors là, ça me fait quelque chose d'être devant cet avion, le Mirage 4, qui parmi les différents types de Mirage que j'ai piloté, hein, Mirage 3, Mirage 5, le Mirage 4, c'est un peu la Rolls-Royce, quoi. Le Mirage 3, on pourrait dire que pour moi, c'était un peu la Jaguar ou la Formule 1. Mais par contre, le Mirage 4, quoi, c'est vraiment la Rolls-Royce avec ses commandes électriques, entre autres, une merveille. Et puis, le navigateur qui était derrière dans son trou, là, derrière son scope, mais ça donnait quand même une... moi qui étais habitué au monoplace, eh bien, ça donnait une certaine... il y avait une confrérie vraiment passionnante. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cet avion, là ? D'abord, ici, ben on voit sa perche là, mais qui a été démontée, la perche de ravitaillement en vol, qui était très longue et donc très loin devant la cabine. Et quand on ravitaillait en vol, vraiment, le panier dans lequel on se fixait était vraiment très très loin, au moins à 10 mètres à peu près, 10-15 mètres. Voilà. Donc c'était aussi des moments passionnants puisque l'émission se déroulait quel que soit les temps, la météo et tout, par tous les temps, dans tout, aussi bien en temps d'orage et tout. Mais avec cet avion-là, voilà, ça se passait bien. Ça se passait bien. Ici, on peut voir que le navigateur, là, il a même un dispositif optique pour voir le sol quand il fait bon. Et donc il peut voir quand même le sol défiler optiquement par ici là, ce qui est intéressant. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre intéressant? Il y a toutes les contre-mesures électroniques aussi, dont on voit un exemple ici là, ces petites antennes là, il y en a un peu partout. C'était un avion qui était capable de franchir toutes les défenses soviétiques en les brouillant, voilà, avec de nombreux systèmes. Et donc là, à propos du navigateur, du rôle du navigateur, outre le fait qu'il mettait à jour les coordonnées et le système de navigation, mais par contre, moi, par exemple, il faisait très attention à moi. La preuve, par exemple, comme on emmenait en vol des aliments spéciaux qui étaient sous forme de petites tablettes, très petites, comme ça, pour les vols très longs qu'on avait, pour se soutenir, pour ne pas être hypoglycémique. Et mon navigateur, en fait, il ne les aimait pas. Voilà. Puis comme il était assez corpulent, il avait des réserves et tout, donc il n'aimait pas les bouffer, mais il les prenait quand même au départ, il les avait. Et alors, dans sa cabine, là, il a un instrument de secours très important. Il avait ce qui ressemble à une antenne télescopique de radio, là, c'est-à-dire une antenne télescopique comme ça, là, et avec une pince au bout, une pince à dessin, voilà, au bout. Hein. Et ça, c'était l'ultime secours pour si tous les moyens de transmission entre le pilote et le navigateur étaient coupés pour une raison X. Que le navigateur pouvait passer un petit mot par un petit trou, une ouverture qu'il y a ici, là, entre les deux cabines, juste à gauche de la tête du pilote. Là, du pilote, oui, c'est ça. Ouais. Là, il y a une ouverture. Et donc, normalement, il devait passer ce petit mot par là, avec cette perche télescopique. Voilà. Et alors, en fait, mon navigateur, il s'en servait aussi à autre chose. D'abord, quand il pensait que je roupillais, ou il avait peur que... Alors, en fait, c'était jamais le cas, mais il avait peur que je m'endorme parce que je disais plus rien. Alors là, et sur des périodes un peu longues, avant les ravitaillements en vol, alors, il allait taper sur mon casque avec... Avec la barre. Voilà, avec la barre télescopique, voilà, par exemple. Mais aussi, comme il n'aimait pas ces aliments spéciaux, là, mais que moi, j'adorais ça, je les trouvais très bons. Et si j'en avais pas eu assez et tout, je lui disais, dis donc, passe-moi un aliment, je sais plus comment ça s'appelait, un gerblé. Et alors, il me le passait avec, ah justement, ouais,
la perche télescopique, ça tenait juste sur la pince, comme ça. D'accord. Comme ça. Et il me le passait par là, il me donnait à manger, on va dire. Mon navigateur me nourrissait. Comme un petit oiseau. C'est amusant. Ouais, voilà. C'est vrai. Dans des vols longs qui, quelquefois, pouvaient durer 7 heures, quelque chose comme ça, on avait un urinoir. Et cet urinoir, par contre, il fallait quand on voulait s'en servir et qu'on était à haute altitude, il fallait d'abord appuyer sur un bouton pour le décompresser, puisqu'il y avait une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'urinoir. Sinon, on avait un tuyau avec un petit cornet, et si on n'avait pas décompressé, en l'allumant, normalement il est vide, ouais. Et donc rien ne devrait se passer. Mais comme les mécanos refusaient absolument de vider l'urinoir ou de vérifier qu'il était vide. Parce qu'ils disaient ça, c'est les pilotes qui vont là-dedans. Nous, c'est pas notre truc. Donc, quelquefois, ils pouvaient rester dans l'urinoir et à ce moment-là, du liquide. Et à ce moment-là, si on n'avait pas appuyé, au moment où on appuyait sur le bouton pour remplir, on en prenait plein dessus. Voilà. Donc, en fait, mais par contre, comme on volait la plupart du temps en combinaison étanche, on volait souvent au-dessus de l'Atlantique et tout, et pour pouvoir survivre le temps d'être secouru, si on s'éjectait, il fallait avoir cette combinaison étanche qui nous permettait de survivre au lieu de vivre seulement 20 minutes. En général, c'est le temps de survie dans une eau de 16 degrés au moins. Ben là, on pouvait espérer vivre 2-3 heures, le temps que les secours arrivent. Mais cette combinaison étanche était tellement mal faite qu'on ne pouvait absolument pas, finalement, utiliser l'urinoir. D'accord. Du coup, on faisait attention à ne pas... Enfin, moi, je ne m'en servais pas. Du coup, je ne buvais pas dans l'avion. Je ne buvais pas de café avant de partir en mission. Enfin, voilà, quoi, c'était quand même... Et okay. Alors, je termine sur l'urinoir, parce que ça paraît être un sujet banal, mais finalement, c'est que quand j'étais officier de sécurité des vols dans mon escadron, le matin, au briefing, je posais toujours une question de sécurité des vols, et il fallait que les pilotes trouvent la réponse et tout. Et alors, moi, j'avais découvert, c'était très difficile à trouver dans les bouquins techniques du Mirage 4, la contenance de l'urinoir. Genre, je devais être un des rares à la connaître, à mon avis, parce qu'il fallait quand même y penser, puis surtout, il fallait le trouver. Et donc, c'est 1,2 litre. Bon. Mais personne ne le savait, les mécanos ne le savaient pas, parce que c'est dans un coin de documentation technique. Mais moi, je l'avais trouvé. Et alors, voilà, ça a été une des questions, c'était la question subsidiaire dans le test de sécurité des vols que je posais, il y avait marqué « contenance de l'urinoir ?» point d'interrogation. J'étais sûr que personne ne le savait. Voilà, c'était un point... Ça, c'est intéressant, parce que sur le problème des ailes d'avion, là, c'est que elles portent au maximum que si les filets d'air, c'est-à-dire ici, sont bien perpendiculaire à l'aile. Et or, plus on s'éloigne du fuselage, plus les filets d'air là ont tendance à fuir, comme on dit, ici, prendre de l'angle là, et fuir vers le bout de l'aile comme ça. Et quand ils sont dans ce sens-là, ici, évidemment, la portance produite par ces filets d'air, puisqu'ils sont en dessous et en dessus, est beaucoup moindre. Et donc, que faire pour canaliser les filets d'air pour qu'ils restent au maximum perpendiculaires à l'aile? Eh bien, sur des avions d'autrefois, comme la Caravelle, par exemple, ça se voyait sur ses ailes, il y avait des cloisons d'ailes. D'ailleurs, on voyait ici une lame métallique, là, comme ça, qui canalisait comme ça les filets d'air. Eh bien là, ça, c'est une idée de chez Dassault pour faire le même effet, mais sans mettre évidemment une cloison qui perturberait la vitesse qui aurait une traînée importante.
ici, il y a ce trait de scie, ça s'appelle le scie cut, là, ici, qui génère un air turbulent, une lame d'air turbulent, ici, là, qui sert de cloison. Ah, d'accord. Et qui va canaliser un peu les filets d'air et va, au mieux, en tout cas, les maintenir avec une portance maximum, c'est-à-dire vraiment parallèle, on va dire, au fuselage, quoi. Ah, voilà d'accord. Le but de ce... Comme ça recrée une structure... Ça crée une cloison invisible. Invisible, quoi. Voilà. C'est vraiment... Ah, c'est génial, ouais. Une astuce, quoi. Une astuce, ouais. C'est... Voilà. D'accord, et, super. Et là, ici... la place des becs, là, ce qu'on appelle les becs, elle sert aussi un peu à ça, vous voyez. Les becs sont en avant et ça contribue aussi à canaliser, à créer une cloison. Dans le temps, il y avait des bases américaines, canadiennes dans l'est de la France. Ouais, beaucoup. Gros temps. Puis, au début des bang-bang, tout le monde venait passer les bangs un peu partout. Et il y a des Canadiens de la base de Marville. Marville, il y avait des Canadiens. Ils étaient venus à Reims. Si ça se passait à Reims où j'étais, moi, enfin, je n'ai pas assisté au truc. Ils sont venus, ils ont fait une séance de bang, ils ont pété 150 carreaux sur la base. Alors il y a eu un vol de représailles. Mais ce n'était pas un bang. Le vol de représailles, ça a été avec les 84G, les aérofreins sur le côté du fuselage. Quand ils sont ouverts, il y a un espace libre un peu à l'intérieur. Et ça avait été bourré. Sur quatre avions, ça avait été bourré avec du papier WC, pas en rouleau, les papiers accordéon. Ouais. On avait enlevé tout le papier qui le protège, pourtant. Et bourré tout ça, aérofrein fermé, paf. Les quatre avions déployés en tirailleur au-dessus de la base de Marville, et top, aérofrein. La pluie de papier. De papier toilette. Bon, eh bien, étant ancien mécano, je voulais devenir pilote. Et étant en Indochine, j'ai fait une première demande. Bon, premier truc qu'on passe, c'est la visite médicale, bien sûr. Visite médicale, ils arrivent à mon oreille droite. Et j'avais fait un séjour à l'hôpital, étant à Rochefort, comme mécano, pour une otite qui s'était transformée en mastoïdite. Ouais. J'ai eu le tympan perforé. Il y avait une cicatrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je sais pas. Enfin, bref, résultat, j'ai une belle feuille. On m'avait donné une belle feuille. INAP définitif pour le PM. Donc ça, c'était en Indo, mécano. Je rentre en France, mécano, toujours. Je suis affecté à Cognac, au 233 Savoie. Ils avaient des Mustangs à l'époque. Et alors ces Mustangs, il y en avait deux ou trois qu'on avait transformés en biplace, ce qui fait que les mécanos pouvaient voler, c'est vachement bien. Puis là, je me suis rendu compte. On faisait de la voltige, bien sûr, avec le pilote, là. C'est pas un stamp, hein. Ah, oui. ça crache. Là. Et je me suis rendu compte que mon oreille, dans les changements brutaux d'altitude, tenait vachement bien, j'avais pas mal, rien du tout. Alors je me suis dit, faut que je rattaque, faut que je réessaye. Seulement pour attaquer, il fallait que je fasse disparaître de mon dossier médical toutes les pièces qui concernaient mon oreille. Alors avec un copain, j'ai fait un commando. Je suis d'abord allé l'après-midi au secrétariat d'infirmerie, j'ai déverrouillé une fenêtre, sans l'ouvrir, la poignée, parce que c'était rez-de-chaussée. Et le soir, le pote m'a aidé à escalader la fenêtre, parce que c'était vachement haut quand même. Il y avait un match de foot, non, c'est pas ça? Ah oui, alors oui, pardon, j'avais oublié. Oui, c'était la diversion, ça. C'était la diversion. J'avais attendu un soir, où à la radio, parce qu'il n'y avait pas la télé à l'époque, hein, c'était en 52, où à la radio, il y avait un gros match de foot pour que les deux permanents du bâtiment soient occupés à écouter le match. Alors j'ai profité de cette première mi-temps pour passer à l'infirmerie. J'ai piqué mon dossier, retour à la piole. J'ai ouvert tout ça, j'ai fait le tri, enlevé tout, les séjours à l'hôpital, l'inaptitude définitive, etc. Refermé. J'ai attendu que la deuxième mi-temps commence, parce que si j'étais tombé pendant la mi-temps, je me tapais les permanents en ronde. Hein. Retour à l'infirmerie, remis mon dossier, paf, c'était bon. Un mois après, je refais ma demande pour aller dans le PN. Et puis, convoqué au CMPN à Bordeaux, médecin colonel Chemin, je me rappelle. Tac, la visite, il arrive à l'oreille. Il me dit, qu'est-ce que vous avez là? Il dit, je sais pas, t'étais tant jeune, étant gamin. Alors, il m'a essayé l'oreille en pression, en dépression, fait des tas de trucs bizarroïdes là.
Résultat, j'ai terminé la visite. Après, dans les autres services, un beau papier, la feuille jaune, là. Apt, élève pilote, France et USA. C'était dans la poche. Et voilà, j'avais osé. Donc il y a prescription. Hein. Je me serais fait coincer, je restais pas longtemps dans l'armée. Voilà, mais... c'était pour la bonne cause. Ou au moins, en salle de police ou. Non, j'étais viré, là. En prison, oui, oui, oui. Oui. J'ai pénétré. Non, mais c'était pour la bonne cause, effectivement. Pour la bonne cause. D'ailleurs, mon truc maintenant, il est dans l'association des pilotes de chasse à Paris. Et il y en a un extrait noir sur blanc dans le truc, donc c'est officiel. Quoi. Dans l'armée américaine, alors. Alors, pour être pilote, il faut d'abord être élève pilote. Et les élèves pilotes dans l'US Air Force, c'est pas de la tarte. Alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis en 1952, en décembre 52. J'avais déjà 5 ans d'armée, dont l'Indochine. Et je me suis trouvé mélangé avec des jeunes minots américains qui arrivaient en civil et qui ont supporté quand même un peu mieux la discipline. Alors, la discipline, déjà, on n'avait pas le droit de parler en français pendant l'heure de travail. On était disséminés un petit peu partout dans les différents squadrons pour ne pas être groupés. Hein. On ne se retrouvait que le soir, éventuellement. Enfin, bref. Et donc, tous les déplacements, je ne parle pas de la propreté des chambres, bien sûr. Hein, il fallait que les draps soient tendus de telle manière qu'un quarter, le 26 cents américain, en lâchant, devait rebondir à une certaine hauteur. Il fallait que les draps soient tendus. Hein. Bref, il y avait ça. Il y avait les déplacements à l'extérieur. Hein. Tous les déplacements devaient se faire à 90 degrés. Si on devait aller dans un bureau à 300 mètres de là sur la base, tous les déplacements à 90 degrés comme ça. Et à chaque arrêt, on devait s'arrêter, les bras en croix, comme un avion. On devait contrôler que tout soit clair pour en dessous, à gauche, à droite, en l'air, etc. On partait, hop, la même chose au prochain virage. Comme ça. Et puis, on peut parler aussi de la séance du coiffeur. Il y avait une grande salle longue, comme ça, allongée, une porte à chaque bout, dans ce sens, comme ça, là. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait six fauteuils de coiffeur et six, là. Il y avait donc 12 sièges qui se faisaient face à face. Et on rentrait par l'acte de 12, maintenant, par l'acte de 12, on s'installait dans les fauteuils. Il y avait un coiffeur par fauteuil, donc il y avait 12 coiffeurs, et en 2 minutes 30, c'était expédié. La vague sortait par l'autre porte et il y avait les 12 suivants qui arrivaient, qui s'installaient. Hop. Un demi-pouce, c'était la taille. Un demi-pouce, ça fait 7,5 mm. Ouais. Alors, quelque chose comme ça. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y avait La vision. Alors oui, les déplacements au réfectoire, on était colonne par un. Des fois, la queue, elle démarrait 50 mètres avant, à l'extérieur. Et on avançait, l'un derrière l'autre, et le regard devait être, donc, comme il disait, fixer la nuque du gars qui était devant, sans arrêt. Là, on repartait, pof, pof, toujours rectifier la position, tac, tac, sans arrêt. À table, on n'avait pas le droit de regarder ce qui se passait. Le regard devait être sur l'assiette, pas ailleurs. Alors, il y avait toujours un ancien de la promo précédente qui mangeait à la table. Il y avait toujours des lui pour ça, et pour surveiller ce qui se passait. Si on avait besoin de quelque chose, on demandait sœur, etc. Et pour manger, donc, le regard fixé sur l'assiette, tous les mouvements, pareil, à 90 degrés, avec la fourchette, la cuillère, le verre. Donc, je prends la fourchette, tac, tac, à 90 degrés. Le verre, pareil. Pendant tout le séjour aux États-Unis, de janvier 53, on est arrivé pour Noël 52, mais enfin, les cours ont commencé donc en janvier 53, jusqu'en mars-avril pour la première base, où il y avait toute la discipline la plus dure. Alors chaque chose, chaque punition, enfin chaque chose mal faite était punie par ce qu'ils appelaient un démérite. Démérite, c'est un mauvais point. Et on avait droit à 7 par semaine, un par jour. Et au-delà, tout ce qui dépassait, 8, 9, etc., ça se traduisait par des heures de marche. Alors les heures de marche, c'était sur un immense terrain, genre 5 terrains de foot en surface, un rectangle comme ça, il y avait un mirador dans lequel il y a un ricain qui avait la liste de tous les punis. Alors, le Tartampion, une heure, l'autre, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Enfin, il y en a qui sont restés 3 mois sans sortir, parce que ça se passait pendant le week-end, ça, hein, les heures de marche.
Il y en a qui ne sont jamais sortis pendant 3 mois. Ils ont marché tous les week-ends. Alors on marchait autour de ce grand terrain, comme ça, là. Et dans le mirador, il y avait une sirène. Toutes les heures, un tel, vous dégagez. Le Mirage 3C, passait le mur du son extrêmement facilement. Et je me rappelle toujours que, en descendant de la perche, ce qu'on appelait le tir aérien, contre une cible tractée par un Mister 4 d'ailleurs, et bien on tirait en mer, et en redescendant de cette perche qui devait être environ à 20 000 pieds d'altitude, j'étais tellement content, j'ai pu surveiller ma vitesse. J'avais mon nez sur Arcachon, je regardais tout ça, c'était très très beau, puis d'un seul coup, j'ai dit tu devrais peut-être regarder ton bacmètre, et j'étais en supersonique, dirigé sur les habitants d'Arcachon. J'ai encore dû me faire des amis. Bon, ben, on retrouve notre canon DEFA-30. Regardez cette magnifique aile avec la courbure du bec, le bord d'attaque. Ici, c'est un piège à couche limite pour recoller l'écoulement de l'air pour avoir l'efficacité complète de l'aile. C'était aussi très moderne à l'époque, ça. Très moderne. Les ingénieurs de Dassault étaient extraordinaires. Et l'avion est un avion qui est beau. On rejoint ce que disait le père Dassault. Ce qui est beau se vend bien. En plus. On retrouve la cigogne chère à la deuxième escadre de chasse, l'escadrille de Guilmer. Je ne sais pas si j'ai volé sur le numéro 30, je le vérifierai. J'ai mes carnets. Alors ça, l'ouragan, c'est à Meknès, l'école de chasse de Meknès. C'était le premier avion, mon premier monomoteur de chasse. Donc on sortait du T-33. Et qui est derrière, d'ailleurs. Et d'un seul coup, on était lâché sur cet appareil. Voilà. Et j'avoue que j'ai été emballé par cet appareil. Parce que moi, j'étais plutôt motivé quand j'étais solo à bord. J'étais plus concentré que quand j'étais en biplace. Voilà, ça, c'est classique. Et je me rappelle juste d'un... Le tir aérien me plaisait déjà et on allait tirer au champ de tir de El Adjeb. Eh bien, on fait une séance de tir, mais au décollage, sur celui-là, j'avais entendu un gros tac énorme. Comme si j'avais été touché par quelque chose. Bon. Je fais ma séance de tir, content comme tout. Le leader me demande de rassembler, on est obligé de réduire parce que quand on arrive près de lui. À ce moment-là, des vibrations incroyables. Je passe sur les détails. Pour se poser, je ne voyais même plus mes instruments tellement ils vibraient. J'ai expliqué ça à la radio. Une fois posé, ça s'est passé correctement, ils se sont aperçus que le réacteur NIN anglais avait perdu 8 ailettes, des ailettes, qui étaient parties à travers le fuselage, et il continuait à marcher ce réacteur. Donc le réacteur NIN anglais, c'est du costaud. C'est du costaud. Bon, ben allons-y. Là, il y a un avion à hélice analysé, là. Ouais. C'est pas... Parce qu'après le P-47, j'ai fait du Sky Raider. Ah oui. L'énorme avion de 2800 chevaux, hélice de 4 mètres, ça ressemble un peu à l'Alizée. C'est pour ça que je... Qu'est-ce que ça vaut ? Alors par contre ici, à droite, là, il y a les deux avions de mes débuts. Là. Le jaune, c'est le Morane 733. Ouais. Alors un moteur Potez, 240 chevaux. La cellule était excellente, mais le moteur, on le voit même là-dessus, était insuffisant. S'ils avaient mis un moteur américain de 600 chevaux, ça aurait été un avion extraordinaire. Mais c'était un moteur Potez 240 chevaux. C'était un très bon avion, très solide. Et puis à droite, là, je vois le fameux Fuga Magister, qui était un avion planeur quasiment. Si on était trop rapide de 10 nœuds, on effaçait la piste. Heureusement, vous voyez, il avait des aérofreins, hein, et qui permettaient de piloter la vitesse. Très bel avion, très solide.
Juste un petit souvenir, quand j'étais à l'école de l'air, un copain, on n'avait donc pas d'expérience, on était lâchés là-dessus, et un camarade, il dit, bon, on va partir ensemble, alors je vais avec lui. Et puis, au-dessus de la Provence, il me dit, tiens, on va faire un retournement, t'es d'accord ? Retournement, ça fait rigoler maintenant tout le monde, parce que c'est rien du tout. Mais quand on est tout jeune pilote, on n'était jamais passé sur le dos pour faire le retournement et descendre en boucle. On l'a fait, lui et moi. Mais on avait oublié qu'avant le retournement en haut, il fallait réduire sa vitesse. On ne pouvait pas commencer à grande vitesse, à vitesse de croisière. Or, on a commencé à vitesse de croisière. C'était au-dessus du mont Aurélien, 800 mètres, je me rappelle, pas loin de la Sainte-Victoire. Et alors là, pour éviter le sommet, il a fallu qu'on dépasse toutes les vitesses et tous les facteurs de charge autorisés là-dessus. Mais on a eu peur. Hein. Voilà le genre de bêtises. On monte là-dedans. Vous m'en faites faire. Hein. C'est des souvenirs pénibles, ça. Ah bon ? Non, pas pénible. Enfin, non, parce que j'ai, avec mon bouquin, j'ai évacué. Ouais. Ah, d'accord. Ça, parce que j'ai mis 10 ans à m'en remettre de mon accident. Parce que il faut savoir que j'ai perdu. J'ai été mis en non-activité par retrait d'emploi d'un seul coup. Avant que le général de Gaulle ait lu le compte-rendu du patron de l'armée de l'air. Il a pris sa décision comme ça, sur un coup de tête, parce que on lui avait dit, effectivement, comme on parlait tout à l'heure, que c'était des... Les Mirage 4. 6 Mirage 4, c'est-à-dire la fine fleur de sa force de frappe qui était au tapis. Je comprends que si ce jour-là, je n'ai pas tué le général de Gaulle, au point de vue cardiaque... Mais, en fait, quand le général Martin m'a reçu, patron de l'armée de l'air, il m'a dit, voyez, mon capitaine, mon rapport date du 10 et ils ont pris la décision le 5. Ouais. Ils n'ont pas lu mon rapport. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Voilà. Bon, ça ne change rien au problème. Alors, on va voir là-haut. Ascension. Vu qu'il y avait une ascension aussi haut. Eh bien, je ne me rappelais pas qu'il était aussi petit à l'intérieur, le cockpit. Hein. Là, on retrouve le fameux siège éjectable sur lequel on tire avec les deux mains. Et alors là, la première raison c'est de notre perte de repère, c'est que il y avait une météo pas prévue. Et il devait y avoir une météo qui était très bonne. On a été obligé de descendre dans les nuages, en tangentant les nuages. Donc, la visibilité était très mauvaise vers le bas. En oblique, elle était très mauvaise. Et nous avions des cartes qui dataient de 1947. Nous avons tourné, moi j'ai tourné sur un barrage, deux barrages absolument avec la forme incontestable. J'ai dit, bon, là je suis sauvé, je vais les trouver tout de suite. Ils n'étaient pas sur la carte, les barrages. Il aurait suffi que j'aie une carte Michelin, eh bien, l'affaire n'existait pas. Voilà. Alors, donc, il y avait ça. Alors, si vous regardez bien, je ne veux pas enlever mes responsabilités, mais un radiocompas très faible, une navigation aérienne civile bruyante et incompétente en Espagne à cette époque-là, la carte périmée, vous voyez, plus le manque d'aide de mon second, plus, ben voilà, j'ai pas pu m'en sortir. Et quand on s'est repéré, quand je me suis repéré, j'ai enfin trouvé un... Je cherchais le Guadalquivir, le fleuve qui passe à Séville, qui est quasiment nord-est-sud-ouest. Je suis tombé sur un fleuve. Et c'est dit, je suis sauvé. Je descends ce fleuve, pas de Séville. À un moment, qu'est-ce que je vois ? La mer. J'ai déplié ma carte. Parce que dans l'armée de l'air, là, dans la chasse, on faisait ce qu'on appelait le pliage chasse, de manière à avoir uniquement la route avec 10 cm de chaque côté, vous voyez ? D'accord. Voilà.
J'ai déplié ma carte et j'ai compris l'erreur. J'étais sur la frontière du Portugal, sur un autre fleuve qui est quasiment parallèle au Guadalquivir, vous voyez. D'accord. À ce moment-là, je me suis repéré, bien sûr, mais il m'a manqué un quart d'heure, 20 minutes de carburant. Voilà. Donc tout le monde a dû se... Quand je suis passé en commission de discipline, après, enfin enquête, commission d'enquête, ils ont reconnu que j'ai bien maintenu la cohésion de la patrouille, j'ai donné les bons ordres d'éjection à tout le monde. Ça, on peut dire que je suis content, je suis même ravi là, ça. Il n'y a pas eu de mort en vol, ni au sol. Alors les morts en vol, j'en suis un peu responsable, puisque on a donné les bons ordres, on s'est préparé. Merci au siège éjectable de SNECMA qui a très bien marché. Pas SNECMA, c'était Sud Aviation. Et quant au sol, le manque, le fait qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun mort civil au sol, moi j'ai raconté dans mon livre que ce jour-là, nous sommes tombés au plus grand pèlerinage marial de 1 million de personnes à El Rocío, en Suisse. Et j'ai parlé avec des Espagnols et je me rappelle toujours d'une dame qui m'a dit « Mais vous savez, c'est elle qui vous a protégé. » Donc je laisse chacun libre d'interpréter. Qui te rendra en Espagne, ça ? Oh là là, alors moi j'ai un dossier de presse colossal avec tous les journaux français, les journaux espagnol, c'est colossal. Et donc il y a eu la fameuse histoire du général de Gaulle, effectivement, qu'on me l'a raconté après, qui a donc été prévenu par son attaché militaire. Alors j'ose le dire, c'était un marin. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu la présentation aussi sympathique à laquelle on aurait pu s'attendre. Enfin, je parle de la petite contestation entre Aéronaval et armée de l'air. Et il paraît qu'il est rentré dans le bureau en disant « Écoutez, mon général, il y a un Mirage 4 qui s'est crashé en Espagne. » Catastrophe. Bon. Et deux minutes après, il est revenu jusqu'à 6 avions. c'est là où je pense qu'il n'était quand même pas cardiaque, parce que 6 avions de sa force de frappe au tard en 10 minutes, c'est dur à supporter. Sur vos tours ou non, j'ai surpris à Strasbourg en 1945. Non, mais sur Sabre, le F-86, on avait fait un stage chez les Américains au Maroc, parce qu'ils étaient... C'était posé à Oran, où on avait des Mistral, qui c'était des vampires améliorés, qui avaient un réacteur mine. Et à l'époque, on montait à 40 000 pieds en 8 minutes, et on tournait autour des bombardiers américains, des B-87, c'est des hexamoteurs. Ils avaient et puis on les filmait. Et puis, ils se sont intéressés à nous, et puis ils nous ont proposé de faire un stage au Maroc, à Nouasseur. Et en volant sur F-86, j'ai eu une panne de train. Quand j'ai sorti le train, il n'a pas voulu sortir avec la commande. La commande de secours non plus. Alors finalement, ils m'ont dit qu'il faut sauter. Il m'a dit, moi je saute pas. Parce qu'en 1943, j'avais vu un Anglais à côté de nous sauter en parachute parce qu'il n'y avait qu'une jambe de train sortie et puis le parachute n'était pas ouvert. Donc je me suis posé sur une roue et vous voyez une photo où je suis à côté du F-86. Je suis et puis le commandant de l'escadron était tout content d'avoir un avion qui était. Pas cassé du tout. Écoutez,
une transition. C'est une photo là sur la couverture là. Oui, c'est sur Mirage là. Ouais. Ah ouais, c'est, non, on peut voir. Voilà. Mémoire d'un pilote de chasse. C'était un avion, c'était vraiment nous. On a quitté, j'ai quitté l'aviation de papa, quoi. Parce que là, c'est devenu un avion super délicat avec des boules, des doubles commandes, enfin des commandes de secours, je veux dire. Alors que nous, ouais. On a eu un combat involontaire avec eux en octobre 1944 parce que les contrôleurs au sol nous ont envoyé deux messieurs qui n'avaient pas l'IFF et qui se baladaient dans les Vosges, qui rentraient d'Allemagne. Et nous, on avait des mustiens, ils étaient peints en noir, alors qu'on les voyait jusqu'à présent en métallique. Ils avaient les bandes d'invasion noires et blanches avec un grand trait. On a pris ça pour une croix germanique. Et le commandant de groupe est descendu le premier, aussi sec. Et puis moi, j'étais dans la queue du second, qui, après coup, m'a dit, je battais des flancs. Moi, je crois qu'il était en virage, je sortais du voile. Et j'avais fait une petite correction pour qu'il passe dedans. Et puis, au moment où la rafale est partie, il est reparti de l'autre côté. Donc, il n'y a que Konobu qui est arrivé dans son plan. Puis il est parti face au sud au lieu de partir face à l'est. Et en arrivant au sol, le pilote abattu, il ne parlait pas allemand, il parlait en anglais. C'était un américain. Alors on a été engueulé, mais il était pour rien. C'est les contrôleurs qui avaient fait une erreur. Qui avaient fait une erreur. Vous avez descendu. Et nous, à l'inverse, en Allemagne, on a été attaqué par des pirates. 47 Américains qui nous avaient pris pour des messieurs. Il y en a même un qui a réussi par l'avant à toucher un de nos avions, un de nos pilotes. Il a mis une balle dans le plan. Il a même essayé de les attaquer. Vous avez essayé d'attaquer des 262, j'en reviens pas ça. Et bien, nous, on n'allait pas revenu parce que ça se passait à basse altitude. Nous étions environ à 10 000 pieds et puis on faisait un sweep, comme on dit, dans le Palatinat. C'était en mars 45. Et puis j'ai passé sous nous des avions en sens inverse, c'était des Messerschmitt 262 qui se baladaient au ras du sol. Nous croyions qu'ils faisaient juste les forteresses volantes. Alors on a basculé pour les surprendre, et puis ils allaient plus vite que nous, bien sûr. Et quand ils nous ont vus, ils sont partis dans le soleil et ils ont essayé à leur tour de nous surprendre. Nous, c'était bien défoyé. On a fait face et ils sont partis, ça, sans flux, c'est tout. C'est incroyable, ça. Je ne sais pas s'il y a des pilotes français, peut-être de Klostermann, qui aient pu... Enfin, ceux qui ont abattu des Messerschmitt 262, c'était des gars qui rentraient en Allemagne et qui les prenaient quand ils atterrissaient. Ah oui. Notre musée, voilà. De traction, pour un coup de plus précis. Je suis plus qu'étonné, je suis esbouriffé de la qualité de ce que je viens de voir, de voir comment une équipe de bénévoles arrive à maintenir la tradition aéronautique française avec énormément de travail et de savoir-faire, mais le résultat est vraiment plus qu'à la hauteur de ce que j'imaginais après ce que m'avait dit Jocelyn Lardy. Donc j'avais admiré les peintures, ils ont vendu quelques-unes à la maison. Et c'est donc par l'artiste que je suis venu découvrir ce musée qui est vraiment magnifique.
très très belle réalisation. Bravo. Bien, merci. Merci pour nous. Ouais, alors, tu vois, l'horizon artificiel là, me rappelle vraiment celui qu'on avait sur vos tours, c'est à peu près le même. Et il est très délicat. Là on voit l'horizon, il est comme ça, donc on est en virage léger à droite. Mais par contre, dès que tu es en position inusuelle, tu ne sais pas très bien où tu es, entre la Terre là et le ciel là, ou l'inverse, tu ne fais pas vraiment la différence. Alors, ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée sur vos tours. Là, j'étais en vol de nuit. On volait donc à très basse altitude, à peu près 200-300 mètres du sol. Et puis, on commence à rentrer dans les nuages, on ne voit plus très bien. On dit, bon, allez, on va monter. Donc, je commence ma montée. Et à ce moment-là, là, on est vraiment dans des nuages très denses, des nuages d'orage. Et je vois et je regarde sur ce qu'on appelle le coming, là, des feux de Saint-Elme qui se croisent sur la glace avant. Alors c'est très beau, c'est des petits éclairs bleus, de couleur bleue qui s'entrecroisent, c'est magnifique. Donc je suis en train de regarder ça, et à ce moment-là, je vois un ballon de football, comme ça, incandescent, qui vient se poser juste devant, là, à un mètre devant moi, et bam ! Un bruit assourdissant, et pour moi, je suis totalement aveugle. Donc pour moi, c'est tout l'avant de l'avion qui a sauté en l'air. Et puis il n'y a plus qu'une chose, c'est s'éjecter. Donc je me mets en position d'éjection, et on a des accoudoirs à ce moment-là. Et je dis à mon navigateur, prépare-toi à l'éjection, on a perdu le nez de l'avion. Et en même temps, je dis, mais il n'y a pas de vent. Je touche, je dis, ah ben non, l'avion est toujours là. Mais je ne vois plus rien. Donc je ne sais pas du tout dans quelle position je suis. Je reprends le manche, je le mets à peu près au milieu. Et je dis à mon navigateur, est-ce qu'on monte toujours? Parce que moi, je suis aveugle. Et le navigateur donc me dit oui on monte mais on vire légèrement à droite. Je pousse un peu le manche à gauche. Oui là c'est bon, ah on vire un peu à gauche. Je repousse le manche un peu à droite. On monte toujours, c'est bon, maintiens. Plein gaz bien sûr, on est en train de monter. Et ce n'est qu'en passant au moins 15 000 pieds où je commence à retrouver un petit peu de vision et je commence à voir les étoiles. Ouf, ça va mieux. Là je reprends l'horizon artificiel et petit à petit ça revient. Et en fait, la foudre était tombée sur le nez de l'avion. On pouvait rentrer un doigt dans le trou qu'avait fait la foudre et le radar, il était complètement cramé, tout naze. Et on est bien sorti. Donc au CEV à Cazaux, chaque année, il y avait des pilotes de la Luftwaffe qui venaient pour tirer des missiles air-mer, 6 skimmers. Ils faisaient ça à Cazaux et ils venaient avec des 104 monoplaces. Alors on était devenus copains, je leur dis, ah, vous êtes pas sympa, vous pouvez venir avec un biplace. Et donc bon, ils font leur tir et puis il me dit bon bah demain c'est pour toi. Ah, c'est sympa. Le gars est en place arrière pour les questions de sécurité, mais il touche pas du tout manche. Hein, donc il me va expliquer la mise en route, tout ça, etc. Et ils me disent bon bah alors d'abord j'arrive donc avec il m'a donné le casque, etc. Je vois l'avion, pas de bidon au bout d'elle. C'est rare, hein, pour le 104. Je me dis, ah, ça, c'est un vol spécial pour toi. Tu vas voir, parce que là, tu vois ce que c'est le 104 pur et dur. Le missile bon. Piloté. Ah, il a quasiment ça. Ouais. Et vous dites, bon, d'abord, tu vas commencer à voler à 252 au décollage. Décollage jusqu'à 20 000 pieds, 252. Et affiche combien la boule? Ah, bah, tu es pilote d'essai, c'est à toi de voir. Bon, ok. Alors, je m'aligne, je mets la pressée. Wow. Alors là, vraiment, ça pousse. À ce seul, l'avion qui m'est fait sans bidon. Hein. Ouais, 25 minutes de vol. Hein. 25 minutes de vol. Bon, là, on est vraiment collé au siège. Et je m'étais dit, bon, je suis chez 20-25 degrés boule. Ouais, je vois le bazar qui nous fout, 30-35 degrés boule. Et alors, c'est incroyable. Ah, c'est, tu montes, et puis tu vois la piste qui est toujours dessous. Et on monte comme ça jusqu'à 20 pieds. Tu montes les pieds devant. Les pieds 252. Les pieds devant. Ah non, c'est affolant. Et donc, bon, après, je fais un peu de manœuvre. Alors, je commence à faire des manœuvres. Dès que j'arrive au buffeting, il y a le gars derrière. Pas trop, Gérard, pas trop. Dès que j'arrive au buffeting. Oui. Parce que, voilà, il part en vrille. C'est pas un avion. Bon. Et donc, on fait un peu de manœuvre. Puis après, on redescend au-dessus de l'eau. Il me dit, bon, allez, vas-y. Donc, je crois, 200 pieds au-dessus de l'eau. Allez, vas-y, boum, on met la PC. Wow, supersonique aussitôt. Affolant. Là où tu dois après, il me dit bon, faut qu'on rentre. Oui, parce que ce qui m'avait épaté la première fois que j'ai vu un F-104,
qui s'était posé à Dijon. C'est la ville de Dijon. C'est un Canadien. C'est le banc d'attaque. C'est fou. Si on fait ça, vraiment, on peut se prendre. Ah, absolument. Alors, le dernier virage, donc, on arrive au break. Bon, je fais un break classique dans la mer. Bon, je ne veux pas qu'il reprenne les commandes. Hein, ça me ferait mal. Donc, c'est le break, tout ça. J'arrive, donc, le dernier virage, et là, c'est l'avion qui fait ça. On sait qu'on peut se coupler, des fois, sur un avion, sur la réaction de l'avion. Je me suis dit, j'ai dû me couper, donc je sais ce qu'il faut faire. Tu lâches le manche. Donc, je dis au gars derrière, j'ai dit. Il va faire ça tout le temps, l'avion, parce que c'est quand même désagréable de se poser. C'est pas du moteur. Non, le moteur, là, on l'a un peu ridé. Il se pose à 185 nœuds, quand même. Et donc, l'avion fait ça, il dit, ouais, c'est normal en virage, mais normalement, quand tu vas t'aligner, ça devrait s'arrêter, j'espère. On s'aligne, effectivement, là, l'avion, et puis on touche à 185 nœuds. Là, il y a intérêt à ce que les parachutes s'ouvrent. Quand j'étais donc on commence à voler à Salon, donc on est dans les années 65, donc on commence directement sur Fouga, donc on est lâché assez vite d'ailleurs, au bout d'un mois, un mois et demi, et on a donc pour s'entraîner tout seul des axes de voltige, c'est-à-dire on fait ça au-dessus des 1000 pieds avec des lignes droites, vous trouvez encore dans le coin. Donc, on dirige avec notre carte boussole, chrono, pour aller vers son axe de voltige. Bon, c'est vachement sympa, t'es heureux comme tout, tout seul, enfin tu crois que t'es tout seul. Et tu vas vers ton axe de voltige, et là, j'ai l'impression de le voir encore. Là, il y a une aile qui me passe là, comme ça. Un autre camarade qui était sur son axe de voltige. Et l'aile est passée entre moi et le bout de mon et alors là, c'est... Il y a tout qui s'arrête, quoi. Et là, le vol n'est plus du tout sympa. Parce que avant, je rejoins mon axe de voltige avec le cœur qui continue à battre. Et puis là, avant de me lancer moi-même la voltige, il a fallu que je regarde à gauche, à droite, au-dessus, dessous, en tournant l'avion. Avant de commencer. Là, on a un F1 qui ressemble beaucoup au F1 qu'on avait vendu en Irak. Or, avant la première guerre d'Irak, donc en 89, les Américains, bien sûr, sont très intéressés par les avions irakiens qui vont se retrouver en face comme nous. Et donc, ils nous demandent, je suis à ce moment-là à Mont-de-Marsan comme directeur d'expérimentation, et ils nous demandent de pouvoir voler contre des F1 irakiens. On en a qui ont été sous embargo, qui n'ont donc pas été vendus. Et que nous pouvons remettre en œuvre. Et je suis un des deux pilotes capables de voler sur le F1 irakien. Donc je dis ok, je vais faire des vols pour vous, avec ce bel avion, ça c'est pas de problème. Mais en échange, j'aimerais que vous me fassiez voler aussi sur mon avion, en particulier le F-15, ça m'intéresse. D'où mon petit badge là qu'on vous fait. Et donc, le F1, on fait des vols à très basse altitude, on pénètre à 200 pieds, et le F-15, il est en surveillance à 20 000 pieds, et il attend donc de voir, avec son système de carrière de voir le Mirage F1 qui est avec son radar allumé. Donc, on voit effectivement, moi je suis en place arrière à ce moment-là du F-15, on voit la détection du F1, l'identification du F1, et le pilote fait un break à 4G et se met en travers de la trajectoire du F1. Je dis au pilote, lui bien sûr, je dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, ah mais c'est une manœuvre justement pour brouiller le radar du F1. Je dis non, c'est un radar basse fréquence de récurrence, low frequency radar. Ce n'est pas un radar à high frequency radar. Et visiblement le pilote américain qui est tout en escadron, il ne sait pas du tout de quoi je parle. Donc il fait son vol et au débriefing, j'ai dit, vous voyez, quand vous êtes comme ça, face à un F1 qui a un radar basse fréquence, votre surface équivalente de radar, c'est à peu près 5 mètres carrés. Là, il ne vous voit pas encore. Voilà. Vous faites ça, là, vous faites 50 mètres carrés. Là, il vous voit. C'est ça que vous voulez faire? Le pilote américain dit, thank you, sir. Thank you so much. Oui, alors donc, on est parti quand on a décidé de mettre de l'armement guidé laser sur Jaguar, c'est-à-dire sur avion monoplace, première fois au monde quand même. Par rapport aux Américains qu'il avait sur Phantom biplace. Donc on est parti du manche pilote vertical pour une main droite et on l'a mis à gauche ici, en horizontal pour la main gauche.
et il fallait changer le minimum de boutons pour dire que je ne savais pas dans quel sens prendre le manche. Et on a mis la caméra là-haut, ici, une petite caméra de 11 cm de diagonale pour voir ce que voyait la caméra et un tracking automatique de la cible qui permettait à ce moment-là, à l'éclairage laser, c'était du 1.04 à l'époque, qui était 1.06, pardon, micro, très dangereux pour les yeux. Ça aveugle celui qui regarde le faisceau laser. Et le missile qu'on tirait, donc c'était l'AS-30 guidé laser, qui avait une portée de 11 km, qui arrivait à Mach 1.2, 400 kg qui arrivait à Mach 1.2 sur la cible, c'était quand même extrêmement puissant. Et donc j'ai fait toute cette mise au point pendant de 76 pardon, de juillet 76 jusqu'en 80. Et ça a été une aventure extraordinaire. On a eu les Anglais ont été intéressés, les Américains ont été intéressés. Le représentant du US Air Force qui était là m'avait donné un planning de type de affaire, enfin d'attaque à faire. Et il a été enthousiasmé par les résultats qu'on obtenait avec notre système. Et l'US Air Force aurait voulu acheter ce système. Mais il y avait un contrat entre Tonton CSF à l'époque et Martin Marietta. Et c'était 50-50 la répartition. Alors si les Américains avaient acheté quelques centaines de pods, parce que nous ça a été quelques dizaines, bien sûr c'était plus du tout la même affaire sur le plan économique, et le Congrès américain s'est opposé à un achat à 50-50 avec les Français, donc l'US Air Force a dû attendre de l'entier beaucoup plus tard, et pas plus performant d'ailleurs que ce qu'on avait mis au point. Donc c'est une affaire dont la France peut être fière, hein. Je suis très content de nous retrouver là. Le siège est déjà activé. Oui, c'est sûr. On est pas là. Alors bon, comme tout le monde, je tire de près. Je rentre et se range au parking. Et je vois le mécano qui nous faisait. Il montrait les droites. Alors il y a le Navigo, Malherbe, je me souviens. Ah, Malherbe. Ah, oui, ah, c'était un de mes navigateurs préférés. Alors tu vois, j'ai une histoire avec lui. Malherbe qui me dit, putain, on a un trou dans les. Je me penche, effectivement, il y avait un trou comme ça. Si ça y est, on a ramassé ou un ricochet ou une pierre qui remonte. Alors, ils vont, j'avais de bon pour la série de montage. Le montage des boîtes. Alors donc. On voit qu'on coupe tout ça, on descend, on va voir, et au fur et à mesure que je vais m'approcher, il y a mon souris qui revenait, il y avait le trou comme ça, et il y avait du sang et des plumes noires tout autour. À 400 et quelques nœuds, oui. J'avais pris un piaf, ça devait être un peu gros, un merde, il y avait fait un trou comme un obus. C'est incroyable la puissance que ça peut avoir. Alors là, bon, j'ai dit au mécano, tu touches pas avant qu'on prenne la photo, parce que... Surtout pas nettoyer pas les nettoyer, plumes. Pas nettoyer, donc. Le mec, on dit, il a marqué. Alors, c'était. Le commandant de promo qui venait se poser, qui remontait à Candelaire, qui était d'ailleurs des taxis de poète, qui était derrière lui, et qui était un éboueur, et ils étaient sous-lieutenants. Là. Alors, il se retourne vers lui, il dit des taxis, après-demain, poignard et gamblon. Il m'avait déjà enterré. Alors, ça marque de l'histoire, elle est marrante en fait. Alors donc, moi j'étais sur le dos, bon, j'ai dit tiens, je suis vivant, à mon tac. Et d'un seul coup, je sens du liquide qui tombe, j'ai dit ça y est, j'ai les jambes coupées. Et puis deux secondes après, l'odeur de l'essence, parce que le réservoir d'essence en 475, il est sous pilote en fait. Donc là, il me pissait dessus joyeusement. J'ai dit là, une étincelle. Une simple étincelle transformée en merguez, là, pas de problème. Alors là, j'ai eu peur. Alors. Et comme quand on a peur, il y avait juste un trou comme ça, je mettais des brins dévoilés, j'étais le sac. Et en deux coups de griffe, j'ai enlevé haut comme ça de terre, j'ai passé un bras, j'ai dégagé le parachute, passé un bras à la tête. Je suis sorti, après les infirmiers m'ont dit que quand je suis sorti en titubant,
j'ai refilé le parachute. ils m'ont donc emmené à la... Alors c'est là qu'il y a le gag, d'ailleurs. Il y a toujours des histoires marrantes dans le trajet. Arrivé à l'infirmerie, ils m'enlèvent la combinaison. Alors j'avais, avec l'essence et tout, la terre rouge de Meknès, là, j'étais en slip, ils étaient en train de me lever. Le capitaine arrive, effectivement, lui qui me croyait mort, il penche la tête, je dis « Oui, mon capitaine ?» Il me dit « Ah, oh, ben, merde alors !» Et hop, il s'en va écœuré. Alors la suite est encore plus cocasse. Il me met sur le nosculte pour la tension. J'avais pris 4 points de tension, ce qui n'était pas normal quand même. Et à ce moment-là, on voit la porte qui s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit ? Un moine qui rentre. Mais comme dans les bouquins, le moine petit, rond, joufflu, la ficelle autour du ventre, les sandalettes. Alors il dit, ben voilà, je viens parce qu'on m'a dit qu'il y avait un pilote qui venait se tuer, alors je viens pour les... Alors l'autre lui dit, pour les meilleurs sacrements, je vous présente le mort. Alors moi je descends en disant, je viens lui voir, je dis, merci d'être venu. Là, il me dit, le moine il me dit, oui, tant pis, enfin je veux dire tant mieux. Demi-tour, il sort. La scène avait duré 15 secondes, hein. Ce qui fait qu'après, on se disait, mais... On a rêvé ou c'est quoi hein. Et après, j'ai eu le fameux de l'histoire, c'est que le gars de la tour, pareil, il est mort, il appelle le standard, trouve le meunier, il y a un pilote, bon, au bout d'un moment, elle dit, ben, il n'est pas à la chapelle, il n'est pas chez lui, il n'est pas au bar, enfin bon, démerde-toi, trouve un prêtre. Alors, donc elle avait récupéré un moine à portée de la base. Oui, c'est comme quoi... comme quand je me suis caché. Alors on revient à l'école de chasse à Meknès. On arrivait de Marrakech, on avait fait le pilotage basique sur T6. Et à Meknès, donc pour faire tout le travail de chasse, avant de passer sur Jet, c'est-à-dire T33 et le Vampire, on faisait tout l'entraînement chasse sur Morane 475, donc comme un petit Mustang, 860 chevaux quand même, très fin, très maniable, sympa en voltige et tout. Et donc l'aventure qui m'est arrivée malgré moi, à l'issue d'une séance de voltige verticale base qui a été notée par les gens en bas, je suis revenu me poser et à l'atterrissage, j'ai fait un boom. C'est des choses qui arrivent à beaucoup de pilotes à un moment ou à un autre. Hein, et a priori, j'ai appliqué la règle parce que comme c'était un boom normalement conséquent, j'ai remis les gaz. Le problème, c'est que quand j'ai remis les gaz, j'ai voulu mettre du pied pour contrer le couple moteur et j'étais avec un palonnier bloqué. Ce qui fait que je n'ai pas pu contrer le couple moteur. L'avion est parti sur l'aile en volant et à 170 à l'heure, j'ai touché de l'aile, du moteur, rebondi en l'air, écrasé sur le dos avec le moteur séparé de la carlingue. Autrement dit, vu de l'extérieur, tout le monde a cru que j'étais mort. D'ailleurs, le commandant de l'escadron, le moniteur, qui avait un élève derrière lui, il remontait la piste après atterrissage, il était aux premières loges pour voir l'accident, il s'est retourné vers l'élève et de façon très calme, il a dit « Bon, après-demain, poignard et gants blancs ». Il m'avait déjà enterré. Alors donc, moi, juste après l'accident, donc je pendais dans les bretelles, je dis « Bon, je suis vivant ». Et puis je voyais bien que le moteur était parti, tout ça, et que ça avait tapé, quoi. Et je commence à sentir du liquide qui me coulait dessous. Première frayeur, j'ai dit, ça y est, j'ai les jambes coupées. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été remplacé par une deuxième plus grosse frayeur, parce que j'ai senti l'essence. En fait, sur mon 24-25, le réservoir d'essence est situé sous le baquet, sous le pilote. Donc comme j'étais à l'envers, effectivement, j'ai été généreusement arrosé d'essence. Et là, j'ai dit, une étincelle et je suis transformé en merguez, ça n'a pas de problème. Là. Et donc vraiment, j'ai eu peur. Et alors là, pour me sortir, je me suis débouclé. Sur le côté, il y avait un petit espace comme ça. En deux coups de griffe, pour dire l'énergie du désespoir, en deux coups de griffe, j'ai arraché de la terre. J'ai dépassé un bras, la tête, hop, j'ai réussi à sortir en titubant, et à ce moment-là, il y avait l'ambulance qui arrivait. Alors, chose assez amusante, c'est que plus tard, les infirmiers m'ont dit, vous êtes sorti en traînant le parachute derrière vous, et vous avez renfilé le parachute. D'ailleurs, à moitié KO, évidemment, tout ça. Bon, ensuite, on pourra en parler plus tard, mais il y a eu un côté très humoristique qui s'est passé plus tard, mais à l'infirmerie. Le moine, non, c'est ça?
Donc à l'infirmerie, alors. Alors, arrivé à l'infirmerie, on m'a tombé la combinaison. Bon, j'étais en slip, il faisait chaud. Hein. On volait à Meknès, hein, il faisait quand même très chaud. Et j'avais les extrémités qui étaient avec la terre rouge et l'essence mélangée. Les extrémités étaient complètement rouges. Donc, on était en train de me débarbouiller, de me laver. J'étais assis dans un petit local à côté de la salle d'auscultation. Quand arrive le capitaine, commandant des Cernons, lequel m'avait enterré quelques minutes plus tôt. Ouais. Alors, il arrive, il regarde, je lui dis oui, mon capitaine. Tout ce qu'il a pu dire, c'est « Ah ben merde alors !» Et hop, écœuré, il est parti sans dire un mot de plus. Merde, il est vivant. Oui, il était vraiment époustouflé. Bon, la suite était plus marrante encore. Table d'auscultation, bon, le gars prend ma tension. J'étais à 17, j'étais à 11 d'habitude. Il m'a dit « Bon, vu ce que tu viens de vivre, c'est pas normal, mais ça va descendre. » Et là, surprise, on frappe à la porte. La porte s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit arriver ? Un moine. Mais comme dans les bouquins, hein. Petit, rond, la robe de bure, la ficelle autour du ventre, les sandalettes, vraiment the moine, quoi. Alors, il dit, ben voilà, on m'a dit qu'il y avait un pilote qui me laisse se tuer, alors je viens pour les... Alors, le tout vu l'interrompt, il dit, ben d'accord, je vous présente le mort, moi je descends en slip de la table d'oxydation, je viens vers le moine, je lui serre la main, je lui dis merci d'être venu. Il me dit, eh bien tant pis, enfin je vais dire tant mieux. Il fait demi-tour et il sort. La scène avait duré 20 secondes chrono, hein, pas plus. Hein. Comme dans tant un film. Tant et si bien qu'une demi-heure après, tout le monde là se demandait si on n'avait pas des victimes d'une distillation collective, hein, vraiment là. Et donc il est reparti et j'ai eu l'explication quelques jours après où j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait au standard de la base, où le gars de la tour lui dit, il y a un avion qui vient de s'écraser, le pilote est sûrement mort, trouve l'aumônier. Alors il dit, je rappelle en disant, mais j'ai appelé chez lui, au bord, à la chapelle, bon, je ne l'ai pas trouvé. Débrouille-toi comme tu veux, trouve-en près. Bon, l'annuaire, hop, il y avait un monastère à une portée d'arbalète de la base, donc le gars a sauté sur son vélo, d'où l'apparition du moine. Voilà, vous voyez, d'accord. C'est les histoires. Il y a toujours une part de marrant et d'humour dans les histoires tragiques en général. C'est bien ça. Il m'arrivait qu'on fasse des liaisons. Alors, une liaison, moi, ça disait, disons que j'étais, comme on disait, c'était un moment où la chasse française était un peu libre. Je veux dire, pas trop gêné par les régulations. Bon. Et j'étais parti emmener un commando, un colonel, qui voulait aller revoir sa famille à Meknès. Bon, j'ai eu l'ordre, en 1933, de l'emmener à Meknès. On a pris du pétrole sur la route, et puis on s'est posé à Meknès. Et quand je suis rentré, j'ai donc une place libre. Et il y a un gars qui m'a fait du stop. Puis, si j'ai les ordres, je vous ramène. Et donc j'ai ramené un ce qu'on appelle nous un pailleux. Vous voyez, c'est un gars qui ne vole pas. Donc, mais quand ils volent, ils ont des points qui s'arrangent pour leur retraite. Donc ils ont intérêt à voler. Faire des heures. D'accord. C'est le mauvais côté de la chose, de moi, de mauvaise langue, on va dire. Bon, donc on est revenu, et de Meknès, en très haute altitude, au maximum, c'était un biplace, un T-33, c'est un T-33, vous voyez. Ah oui, je vois, oui. Bon, donc il y avait les parachutes comme ça, et pas de problème, on l'a ramené, et en rentrant, entre la mer, l'espagnol et les îles, à 40 000 pieds de nuit, j'ai eu le plouf. Le plouf. Le recteur s'est arrêté. On se pose des questions là, ce moment-là. Donc j'ai descendu. Et j'ai essayé de le rallumer en étude. Et pour le rallumer, qu'est-ce qu'on fait ? On dit on draine. On essaye de retirer le pétrole qui est dans la tuyère. On rallume avec un bouton, la bougie. Et le réacteur qui tourne, on prend de la vitesse pour que le réacteur tourne par le vent. Et une fois, deux fois, trois fois, je dis la troisième fois, on faut sauter, monsieur. Et le gars, il a jamais voulu sauter. J'ai regardé dans le rétro, hein, on pouvait voir de nuit, mais très peu, on se rendait compte que le gars, il n'était pas chaud, quoi. Donc, et heureusement, vers 5000 pieds, parce que j'allais sauter, moi. Mais je ne pouvais pas sauter avec un passager. Alors j'ai cherché à trouver l'idée pour
la plage. De nuit, on voit quand même entre la plage et le... Et c'est reparti. Et on s'est posé à Marignane, on m'aidait, c'est-à-dire on m'aidait, vous savez, tout le monde, tous les pompiers étaient là, tout le monde s'est posé à m'aider à Marignane. Et je suis descendu. Et on dit, le train, c'est là-bas. Je ne voulais plus le voir. Mais c'était pas méchant, mais je voulais plus. C'était là, il fallait le bras qui me cause, parce qu'il allait prendre... Il avait pris une baffe. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le bras. Et moi, j'ai entendu que les mécanos de Saint-Dizien viennent. Ils ont drainé le réservoir. Et effectivement, il y avait de l'eau. Le réservoir, on a dit, cette fois, du gelé dans le pétrole. C'est pour ça que j'ai eu un plouf. Donc, on a fait un vol d'essai à Marignane. Je suis reparti 2 jours après. Alors, ça, c'est qu'on n'était pas ensemble, c'est nous. Je ne raconte pas les histoires, moi. Ah, tu vas peut-être nous faire un petit... Voilà, en gros, l'histoire, c'est qu'on était en détachement du sud de l'Afrique, de l'Italie. Et puis, c'est que sur 84F. Et on était supposé aller enquiquiner la flotte américaine. Et un jour, la flotte américaine, son éclaction, sur Bretagne, le temps était mauvais, et puis on est quelques vieux pilotes, on est allé. Il dit qu'il y en avait une, nous chercher parce que ça se passait sans radio, vous voyez. Et on sait que dès qu'il y a du vent, la Sicile permet ce qu'on appelle l'effet de faune. Et vous avez un passage entre la montagne et le nuage. Vous voyez, je sais pas, genre 100 mètres. Donc on a glissé par-dessous, là, et il ne nous attendait pas. Donc on est tombé sur le porte-avions, ils avaient leur killer en l'air, qui ont été surpris. Après, ils nous ont tiré avec leur fusée, là. Ouais, ils ont tiré, ils ont visé, mais c'est trop tard. On a pris des photos. Alors, moi, en général, j'aime bien prendre des photos de près. J'ai pris des photos de près. Il paraît que j'ai cassé quelques antennes. Sur le porte-avions. Oui, bah, j'étais pas à remettre au-dessus. Hein. Et là, j'avais une belle photo, c'est pas plaisir, mais la première escale qu'il a. Le pacha, il était dans son machin, dans sa tour de contrôle, là. Et il faut garantir que j'avais mon peeper de visée à zéro, et je l'ai photographié jusqu'au dénouement. Et cette photo-là, quand on a vu une reconstitution à Naples de combat entre parenthèses, alors moi je me suis pensé, c'est pas vous ça. Il était pas content. C'est une histoire, c'est une turbine. Connerie, mais pas loin, parce que j'étais avec un... J'étais leader d'une patrouille avec un jeune en formation sous chef de patrouille. Et donc, il y avait le briefing, on avait fait le briefing et tout, et je lui avais dit, normalement, on décolle en patrouille serrée, et dès qu'on peut, on partait pour faire des interceptions. Donc j'ai dit, dès qu'on peut, on passe en formation de manœuvre. Et puis, on suit les ordres du contrôleur radar, puisqu'on était sous guidage, sous contrôle radar, du début à la fin de la mission, pratiquement. Et là, on décolle en patrouille serrée. J'ai attendu qu'ils me disent de passer en formation de manœuvre. Comme ils ne me disaient rien, je suis resté en patrouille serrée. J'ai dit, je vais faire le mauvais con. Mmh. Et puis, le radar nous a donné, donc on a quitté l'approche de Nancy. On est passé, c'était Drakenbrunn ou Contrexéville, je ne sais plus. Et le gars du radar nous donne un cap de montée en nous disant, rappelez 30 000 pieds, 0,9 de Mach. Et le ciel était pratiquement tout bleu, mais il y avait juste quelques cumulus là. Et en plein dans l'axe du cap que nous avait donné le radar, il y avait un cumulus qui était vraiment tout joufflu, là, bien en train de se former là et tout. Quand même, d'une part, le jeune, il va faire 10 degrés gauche ou 10 degrés droite, je vais voir s'il le dit au contrôleur ou pas, mais d'une part, il m'a toujours pas dit de passer en formation de manœuvre, il va quand même pas nous foutre dans le nuage. Eh ben si, il a continué, il était dans son truc, il suivait son radar, il n'a pas regardé dehors, on a traversé le nuage, et là, j'ai dit, moi j'ai dit,
je me dis, pas plus con qu'un autre, mais bien tout autant. Au lieu d'éviter de partir, eh ben, je suis resté en patrouille serrée. J'ai dit, on va voir ce que ça va donner. Mais on s'est fait secouer solide. Mais bon, comme ça a duré que 2 ou 3 secondes, il n'y a pas eu de problème. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand on est sorti des nuages, les avions qui étaient camouflés, ils étaient tout blancs. Mais alors du blanc étincelant de la glace. Givré, quoi. Et ça a duré 3 ou 4 secondes. Alors je lui ai dit, écoute, au leader, là, j'ai dit, regarde les avions. Le temps qu'ils regardent, ben, ça y est, ils étaient redevenus en camouflé. Mais c'était marrant parce que c'est la première fois que je voyais ça. Quoi. À Bremgarten, j'étais numéro 2 d'une patrouille. On venait de se poser donc, avec nos F-100. Et puis, ben, je suivais tranquillement le leader. On avait quitté la piste, on roulait sur le taxiway pour rejoindre l'escadron. Et puis, je dormais pas, mais j'étais peinard, quoi. J'étais relax. Et d'un seul coup, j'ai vu la tuyère de l'avion de devant, là, du leader, qui grossissait, le temps de piler et tout. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, ton avion, il a pas des stops. Hein, quand tu t'arrêtes comme ça, préviens quoi. Hein. Il m'a dit, ben, c'est à toi d'abord de surveiller ta distance par rapport à moi, et puis au lieu de rouspéter, regarde ce qui se passe devant, regarde pourquoi je me suis arrêté. Et devant nous, à une 20aine de mètres, il y avait une poule faisane qui traversait le taxiway avec une 10aine de poussins derrière, là. Mais elle traversait vraiment tranquille. Pourtant, on était avec les deux F-100, réacteurs tournants. Et tout, voilà. ils étaient habitués, les bestioles. Là, à traverser. Devant ouais. Oui, bon, ben, c'était... il y avait à peu près un an que j'étais sur F-100. Donc nous étions partis de Bremgarten et la base déménageait sur Toul. Donc j'en avais profité, puisque j'étais célibataire, on faisait du remorquage au profit d'un escadron de Mirage 3 de Colmar. Et comme j'étais en entraînement sous chef de patrouille, un jour on était parti à 2 avions avec, donc mon leader c'était un sergent-chef, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de sous-officiers et pilotes. Et puis on était parti du côté de Toulouse, on alternait chacun une branche de navigation en position de leader et en position d'équipier. Et puis, à un moment, j'ai entendu un bruit à l'arrière, et puis j'ai ressenti une vibration, comme un choc, tout ça. Donc je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis monté au maximum sous la couche, qui était vers 4000-4500 pieds, hein, vers 1500 mètres en gros. Et puis j'ai dit au leader, tiens, viens voir un peu ce qui se passe, parce que j'ai des vibrations, ça a l'air de pousser moins fort, il y a un truc qui ne va pas, quoi. J'ai peut-être perdu quelque chose, parce qu'on avait beaucoup on avait des lance-cibles, on avait des choses à accrocher sous les ailes. Et puis le leader vient, il regarde et il me dit, ben non, ton avion il a l'air intègre, là. Par contre il fume beaucoup. Il dit, bon, ben, on va rentrer quand même, parce que j'étais obligé pratiquement de mettre plein gaz pour tenir la vitesse, quoi. Et on va rentrer sur Caso. Et puis là, boum, décrochage compresseur. Sur F-100. Alors sur F-100, le décrochage compresseur, c'est un vrai coup de canon. Mais quand on est assis sur la Wender, il y a les pieds qui sautent du palonnier. Enfin, c'est impressionnant. J'ai dit non, le réacteur s'est pas arrêté, mais enfin, ça fait boum. Et mon leader m'a dit, qu'est-ce que tu fous là, avec ta PC? Il y a une grande flamme qui vient de sortir. J'ai dit, j'ai rien touché. Il m'a dit, bon, on se déroute sur Toulouse, que tu es à 4 ou 5 minutes. Et puis là, ça s'est installé, des décrochages compresseurs entretenus et tout. On était vers 1200 mètres d'altitude. J'avais du mal à tenir à la fois l'altitude et la vitesse. Et au bout de très rapidement, je me suis dit, bon, ben, ça va mal se terminer cette affaire. Je vais peut-être être obligé de m'éjecter. Et sur le chemin de vers Toulouse, j'ai commencé à regarder à des coins où je pourrais
coin dégagé de toute habitation pour m'éjecter. Et puis on suivait le Lot, et là, sur un plateau, j'ai vu un plateau derrière, j'ai dit bon, bah, je vais aller m'éjecter là parce que je perdais de l'altitude, je perdais de la vitesse, et puis j'allais peut-être encore de quoi faire 10 ou 15 kilomètres sans plus. Et j'ai surveillé un peu les vermes, les villages et tout ça. Il y avait c'était au mois de septembre, il y avait des cultivateurs qui travaillaient dans les champs. Et puis, quand la dernière ferme est passée, j'ai viré vers le plateau que j'avais vu sur la falaise qui était sur le bord du Lot. Et le fait de faire le virage, eh ben, ça m'a fait perdre encore le peu d'altitude qui me restait. Et quand j'ai redressé les ailes, eh bien, le haut de la falaise, il était plus haut que moi, quoi. Donc je me suis dit, c'est foutu, je vais me planter là. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer de sortir avant. J'ai cabré, avec le peu d'énergie qui restait, j'ai cabré le maximum l'avion. J'ai tiré sur les accoudoirs, j'ai relevé les accoudoirs, la verrière est partie. Et là, j'étais vraiment tétanisé par les arbres qui m'arrivaient dessus. Et puis, tout au fond de mon cerveau, il y avait une petite voix qui disait « Attends, t'as encore oublié un truc, là. Fait qu'il était pas, c'est pas fini, là, ton truc. » Et il a fallu que je réfléchisse. Et là, je me suis dit « Oui, il faut que j'actionne les détentes. » Et le plus difficile pour moi, ça a été d'ouvrir mes mains qui étaient crispées sur les accoudoirs pour actionner les détentes. Parce que dans ma tête, il fallait que je lâche ma bouée de sauvetage, quoi. Donc j'ai ouvert les mains, j'ai actionné les détentes. Là, le siège est parti tout de suite, bien sûr. Et puis j'ai vu l'avion qui passait dessous. C'est marrant, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a l'impression d'être dans un dessin animé. On voit l'avion qui rétrécit comme en trucage, quoi. Et puis ben, il s'est planté 200 ou 300 mètres devant, avec ces 4 ou 5 000 litres de carburant qui restaient. Donc il y avait une grosse boule de feu et de fumée. Et puis moi, mon parachute, ben, il était toujours en train de s'ouvrir. Et je me suis dit, ben, peut-être arrivé là-dedans. Puis d'un seul coup, le parachute s'est ouvert. Comme j'avais un peu repéré le vent avant, j'ai tiré sur les suspentes, et puis j'avais fait pas mal de parachutisme aussi. Donc j'ai tiré tout de suite sur les suspentes, parce qu'en plus j'étais au-dessus de l'eau. Et puis j'ai sauté une haie d'arbres, et derrière il y avait des vignes, et j'ai réussi à me poser debout entre deux rangées de piquets, quoi. Ah d'accord, voilà. Dans les vignes. Donc c'est bon, l'autre c'est... il ne peut plus parler, hein. T'as raison. Alors après, quand vous êtes éjecté, qu'est-ce qui s'est passé alors là, quand l'avion a explosé ? Quand je me suis retrouvé par terre, ben, je me suis débrêlé de mon parachute et tout. J'ai enlevé ma main ouest et j'ai fait signe à mon copain qui tournait au-dessus que j'étais en bon état et tout ça. Et là, il y a les cultivateurs qui sont arrivés et ils avaient une bouteille de... Souvent des de bouteilles. Duol, okay. Ou de je ne sais quoi à côté, là. Et ils m'ont dit, bah, tiens, allez, bois un coup. On a ça pour se rafraîchir. Et puis les émotions, ça creuse, on est au courant. Nous, on a eu la trouille parce qu'on a cru que tu allais tomber sur la maison. Après, on a cru que tu allais nous tomber dessus. Et on est bien content que ça se soit passé comme ça. Et on était en train de... Alors j'aurais dit non. Donc ils m'ont dit, ben, on va aller à la maison, puis on va t'offrir un bout de sirop ou une bière ou quelque chose. Et là, il y a un commandant ou un colonel de gendarmerie qui est arrivé avec son chauffeur et tout ça. Et puis qui me fait signe de venir. Moi, j'étais tout jeune lieutenant, hein. Alors il me dit, mais vous, qu'est-ce que vous transportiez ? Alors je lui dis, je comprends pas, vous voulez savoir quoi ? Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'avion ? Alors je dis, bah, je suis pas un contrebandier, je vais pas aller de ça. Il m'a dit, non, mais vous aviez des bombes, vous aviez... Bah, je lui dis, j'ai des obus, j'avais pas de bombes, j'avais rien et tout. Il me dit, ah bon, parce qu'on m'a dit qu'il y a un avion avec une bombe nucléaire qui s'était écrasée du côté. Ah ben j'ai dit, non, c'est pas nous. Mais il me dit, mais... Vous... Ah, je dis, l'année dernière, oui, ces avions-là, ils pouvaient emmener la bombe nucléaire, mais ils volaient pas avec, c'était des bombes américaines et tout ça. Alors bon, du coup, il m'a dit, ben ok, il est reparti. Et puis, entre-temps, il y avait les brigades de gendarmerie du coin qui étaient arrivées. Donc, ils m'ont emmené à la brigade. Et puis, ils ont commencé à m'interviewer. Et c'est là, moi, je n'avais pas grand-chose à dire parce que je ne comprenais pas ce qui s'était passé.
Et le gendarme, il m'a dit, mais mon lieutenant, racontez-moi des trucs, parce que si j'en ai qu'une page sur mon carnet, les copains des autres brigades, ils vont se foutre de moi, parce que des trucs comme ça, on n'en a pas tous les jours, c'est autre chose que les chiens écrasés, donc il faut que j'en ai au moins deux ou trois pages, quoi. Et donc j'ai raconté un peu ce que j'avais mangé la veille, où on était allé, le trajet de navigation qui était prévu et tout ça. Et là, il était content parce qu'ils sont sortis avec. Il a envoyé un de ses sbires pour ça, parce qu'il y avait des habitants du c'était à Luzèche, qui sautaient pour voir. Ils se faisaient la courte échelle, ils tapaient au carreau et tout. Ils voulaient savoir si les gendarmes ne passaient pas à la Gégène ou. parce qu'il y avait un des cultivateurs qui était venu aussi, qui leur avait raconté un peu le ça. Et il y a une autre chose aussi, donc après on est reparti. Par contre, toi, tu avais accepté le. Tu n'avais pas accepté de boire un coup. Accepté, hein. Moi, j'avais dit non parce que je pissais le sang. Moi, j'ai dit non aussi, mais après, on est allé boire un sirop. Ils m'ont emmené à l'hôpital, c'était fini. Oui. Là. Ce qu'il y avait de sympa, surtout, je revois le gars parce qu'il me dit les émotions, ça donne ça, on va se payer un coup de gneau. J'ai dit monsieur, je suis blessé, je sais. J'ai pas le droit de boire je peux pas boire d'alcool. Alors il est resté au moins 3 secondes, les bras en l'air, puis il dit oh ben moi je suis pas blessé, hein. Il s'est mis un coup. Oui, moi j'avais dit il parlait de l'hypothèse. On s'appelle de l'interview par le gendarme. Ouais. T'as connu le pilote de reconnaissance de Luxeuil qui bégayait. Bégayait, très connu. Il arrivait, c'est un gars, c'est pas de sa faute, c'est un bon pilote, mais il bégayait. Alors, il disait au break, c'est-à-dire, il s'annonçait au break, silence radio, on n'entendait plus rien, final, parce qu'il n'arrivait pas à parler. Et alors, il s'est éjecté, comme toi, il est tombé dans le Rhin, il faisait froid, bon, de ça, il est sorti lui-même du Rhin, les gendarmes sont venus le prendre. Et dans le rapport, le gendarme a mis... Et alors, le pilote était tellement choqué qu'il en bégayait. Alors, qu'est-ce que... Nous, à l'escadrille, qu'est-ce qu'on a rigolé le Mystère 4, tel que celui-ci, c'était pas le même numéro, parce que le pauvre, il a beaucoup souffert, mais c'était un Mystère 4 qui avait les mêmes lettres d'immatriculation et les mêmes insignes, puisque il était décoré aux insignes du 2-8. C'est avec sur bord de cet avion-là que j'ai fait ma première éjection à Séville. Donc c'était en 66, nous étions brevetés depuis au moins 2 mois. 27 mai. Comment ? Pas très loin de... Oui. Et nous étions brevetés depuis au moins 2 mois, donc c'est dire si on avait beaucoup d'expérience sur ce type d'avion. Et je passe sur les détails de la mission, mais il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire « bon ben si ça continue comme ça, on va être obligé de s'éjecter ». À l'époque, il y avait à peu près un tué sur 3 ou un blessé grave sur 3 en éjection sur Mystère 4 et puis peut-être même sur les élections en général. Et comme nous étions 6, j'ai pensé, il y en a 2 qui mangeront pas avec les autres ce soir. Et il dit, moi j'étais pas mal expérimenté en parachute, j'ai dit, je fais pas partie des 2, mais ça peut être embêtant quand même, c'est dommage. Et là, quand mon réacteur s'est arrêté, j'ai dit, ça y est, c'est parti, je vais redevenir parachutiste. Donc j'ai tiré le rideau, comme on m'avait expliqué, et on nous avait dit, attention, il faut compter, parce que le temps paraît très long, normalement c'est 3/4 de seconde, entre le moment où la verrière s'en va et le moment où le siège part, et ça paraît très long, il faut surtout pas bouger, parce qu'on risque de se casser la colonne vertébrale. Donc je suis resté bien planqué derrière mon rideau, la verrière était partie, j'ai commencé à compter, et quand je suis arrivé à 4 ou 5, je me suis dit, mais même en comptant vite... ça, les 3/4 de seconde, ils auraient dû être passés. Donc, mon siège, il est,
il est pas parti. Comme je peux pas faire partie des deux avec qui ça n'a pas marché, il faut que je trouve quelque chose. Donc la procédure de secours, c'était de passer sur le dos, de se débrêler, c'est-à-dire d'ouvrir la boucle, de pousser sur les jambes et de sortir. Et j'ai dit, avant de faire ça, comme on avait encore un peu d'altitude, on était vers 1500-2000 mètres, j'ai dit, je vais essayer de tirer une deuxième fois. Mais tirer une deuxième fois, comme j'avais le rideau devant les yeux, il faut d'abord que je vérifie dans quelle position est l'avion pour que je parte bien vers le haut et pas trois quarts d'eau ou n'importe quoi. Donc il faut que j'enlève le rideau, mais si j'enlève le rideau, il va être arraché par le vent. Donc soit ça va faire partir le siège et puis je l'aurai pas devant les yeux, soit... Donc j'ai dit, il faut trouver quelque chose. Alors je me suis cramponné au rideau avec la main gauche. J'ai sorti l'œil droit derrière le rideau, j'ai pris le manche avec la main droite, j'ai remis l'avion dans la bonne position, c'est-à-dire en léger cabré, j'ai vite rattrapé le rideau et là j'ai tiré très fort. Et c'est parti tout de suite. Oui. Hein? Et puis, j'ai vu la séquence qui... Enfin, j'ai pas vu la séquence, mais ça fait quand même un choc. Hein? Et puis, j'ai senti le parachute qui s'ouvrait. J'ai entendu à travers le casque le bruit du siège qui passait juste à côté de la voilure. Et puis, j'ai vu partir, j'ai cherché l'avion, et puis je me suis dit, ça y est, du coup, je suis au bout de mon parachute, là, j'étais en territoire connu. Le reste, la journée n'est pas terminée, parce qu'il va se passer encore des choses, quoi. Donc, après l'éjection, vous étiez soulagé, vous. Il n'y en avait plus qu'un. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu... On n'a pas vu les autres. Qui a été le dernier. Il oublie de dire que... C'est lui, hein. Il oublie de dire qu'il n'avait pas le droit de s'éjecter si je n'avais pas donné l'ordre. Il a demandé, il était poli. Je crois que tu nous... Mon réacteur s'est arrêté. Oui, oui. Je l'avais vu. L'avion a fait comme ça, tu vois. Ton avion s'est abaissé comme ça. Et là, j'ai dit, bêtement, éjection. Oui. Voilà. Et alors, moi, j'ai pas participé à son problème de poignet, etc. Je ne savais pas. Mais ce qui m'a mis vraiment dans le stress, c'est que je l'ai vu partir en arrière et tourner sur lui-même, sur le siège de ça, et puis descendre derrière, et je voyais pas de parachute. Je voyais rien qui s'ouvrait. Alors là, vraiment, c'est stressant, là. Parce que l'avion continue, et on le voit qui passe derrière le niveau de vol, tu vois. Et puis d'un seul coup, ça s'est ouvert. J'ai dit, bon, ok, il est sauvé. Et à ce moment-là, tranquillou, tranquillé, ça s'est mis à se dévisser chez moi. J'ai dit, ce qui prouve, parce que je le redis, ce qui est vrai, je ne sais pas s'il y avait du pot parce que tu avais un moteur qui consommait moins, ou moi je brandouillais trop la manette, mais en attendant, à quelques secondes près, il s'est éjecté. Les deux réacteurs, arrêtés au même moment, tu te rends compte? Après une mission en silence. Moi, je sais quand mon parachute... Ça veut dire qu'en fait, il suivait sans donner des coups. Voilà, et c'était très souple. Oui. Mais moi, je me souviens, quand j'étais parachute ouvert, j'ai regardé, j'ai cherché à retrouver mon avion. J'ai regardé, j'ai vu le sien qui partait. Je dis peut-être que lui va pouvoir se poser parce qu'on n'était pas loin de Séville. Et puis là, j'ai recherché mon avion, j'ai regardé se poser, et quand j'ai relevé la tête, il y avait un parachute. Ah ouais. Je me dis, il va pas arriver à Séville avec ça. Dommage, On sera encore une belle séquence avec vous. Tant mieux. Il y a un truc que je vais vérifier et que je voulais vérifier, j'y avais pensé plusieurs fois il y a plus de 50 ans. Et je l'ai jamais fait, et là je vais le faire. Ah bah non, ça valait le coup de venir. Ça fait 50 ans. Il veut s'éjecter, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 50 ans qu'il veut vérifier quelque chose. Ça fait 50 ans que je voulais vérifier quelque chose, et là j'ai l'occasion de le faire. Je vais monter le voir. Eh bien, c'est ce que je pensais. Je vais vous dire. Mystère 4. Alors, qu'est-ce que vous vouliez vérifier depuis 50 ans? L'antenne qui est ici, quand on est dans l'avion, je ne me souviens pas qu'elle nous gênait. Et je me suis dit, si elle ne nous gênait pas, c'est qu'elle devait être, on ne devait pas la voir, elle devait être planquée par le montant de la verrière.
Ah oui, l'antenne. Et effectivement, elle est planquée, quand on est en bonne position, elle est planquée par le mât. Bien, je vais vous raconter mon dernier vol en Algérie. Voilà, nous avions à l'époque repéré, l'état-major avait repéré Amirouche, qui était un sous-officier français qui avait déserté, qui avait fait la guerre d'Indochine dans les troupes françaises et qui était un chef de bataillon Felaga important. Il était dans une wilaya très connue. Étant repéré, l'état-major avait pensé faire une très grande opération pour encercler Amirouche et ses troupes. C'est pourquoi on avait été conviés, nous étions 7 ou 8 H-34 de l'escadron RAFU, car nous faisions beaucoup de bruit et l'indicatif de notre escadron était RAFU. Il y avait RAFU leader, RAFU 1, RAFU 2, RAFU 3. Quand on volait pour son compte personnel, on avait un numéro personnel et moi j'étais RAFU 27. Quand je volais en solo, enfin pas en solo, parce que sur les H-34, nous étions deux pilotes et un mécanicien navigant. Mais moi, mon numéro de pilote, c'était RAFU 27. Pardon. C'était RAFU 27. Donc, ce jour-là, on est allé se poser au départ de l'opération où toutes les troupes devaient se retrouver avec tous les officiers supérieurs qui dirigeaient cette opération. Et là, on se pose et à côté de nous, le H-34 est en rangée, on nous met tout de suite des commandos des parachutistes. Moi, j'avais 7 ou 8, plus même peut-être une dizaine de commandos, puisque dans la journée, j'ai transporté 114 commandos, j'ai héliporté 114 commandos. Nous avions donc des commandos qui étaient de jeunes parachutistes. Et puis nous avons attendu assez longtemps l'ordre de décoller. Alors quand nous attendions comme ça, il n'y avait qu'un pilote qui restait au poste de pilotage, car toutes les 20 minutes, il faisait tourner le moteur de façon à ce que l'huile soit chaude et qu'on ait tout de suite, dès la mise en route, les performances nécessaires au décollage. C'est bon. Alors, celui qui n'était pas au poste de pilotage, parce que celui qui était en passe au poste de pilotage était attaché sur son siège, était prêt à mettre en route, alors que l'autre est le mécanicien navigant. Nous pouvions vaquer à côté de nos appareils, pas très loin. Dès que l'information de décollage nous arrivait, on sautait à nos postes pour décoller immédiatement. Et les commandos parachutistes que nous avions à côté de nous sautaient dans le cargo et nous pouvions décoller dans la minute qui suivait. Et ce jour-là, c'était mon temps de repos, j'étais donc pas au poste, j'étais en bas, j'étais avec les commandos, et nous avions l'occasion de discuter, avec ces commandos. Le mécanicien navigant était avec moi, et parmi ces commandos, il y avait un jeune Lyonnais. Ce garçon m'expliquait qu'il allait bientôt être libéré de ses obligations militaires. Il avait une vingtaine d'années, bien sûr, puisque c'était un appelé. Ouais, il m'a parlé de sa petite fiancée, de ses parents qui étaient artisans sur Lyon. Il était fils unique et il allait prendre la succession de son père. Nous recevons l'ordre de décoller et là, nous avons fait des héliportages d'assaut à peu près toute la journée. Et ça a été une journée extrêmement dure parce que les héliportages d'assaut s'étaient déposés des commandos parachutistes au plus près, en renfort, au plus près des troupes ennemies, puisqu'on arrivait en renfort. Alors on se faisait vraiment tirer dessus avec des armes plus ou moins semi-automatiques, parce que les Felagas étaient bien équipés. Ils avaient des armes très très bien, puisque le premier MAS 49 que j'ai vu, qui était le Nec plus Ultra, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, c'est un MAS 49, c'est sur un mort Felaga. Les Français ne l'avaient pas. Donc, on a héliporté toute la journée. On est descendu au milieu des Felagas plusieurs fois. Alors, au cours de ces héliportages, j'ai même deux commandos qui n'ont pas pu sortir du cargo. Qui se sont fait tuer, quoi. C'est bon. Oui, donc nous avons fait des héliportages toute la journée sous le feu des Felagas. Et le soir, j'ai fait ce jour-là 9 heures de vol et j'ai déposé 114 commandos
par rotation de 8 à 10 maximum, parce que nous étions dans la région du Djordjura. L'altitude était importante, la température était élevée et on ne pouvait pas charger autant de commandos que nous voulions pour les questions de performance moteur. Le soir, en passant au-dessus d'un poste au sol, alors il faut savoir que le soir, nous apportions des oignons, parce qu'il y avait un commandant parachutiste, un commandant d'un bataillon parachutiste, qui estimait que faire manger des oignons à ses paras, ça allait protéger du scorbut, et en plus de ça, ça allait donner un bon dynamisme pour les opérations du lendemain. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit... Ne soit vrai. Mais ce qui était ennuyeux, c'est que le soir, on nous chargeait des sacs d'oignons dans les H-34, et bien entendu, les effluves des oignons montaient jusqu'au poste de pilotage qui était au-dessus, et les deux pilotes ont pleuré, le mécanicien navigant qui était dans le cargo, on avait les larmes aux yeux à cause des oignons. Ça, c'est pas mal comme et histoire. Et le soir, on passe au-dessus d'un poste au sol, pour lequel on avait le matin eu quelques... Donc, le soir, nous repassons au-dessus d'un poste au sol. Nous avions héliporté dans la journée sur ce poste plusieurs commandos. Et nous passons au-dessus d'un poste au sol. Et ce jour-là, c'est moi qui étais à la radio. C'était mon camarade qui pilotait. Et je reçois un message d'un poste 300. C'est les petits postes portatifs radio des troupes au sol. Me disant, nous avons un blessé spécial à évacuer. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, les blessés... algériens, ou les morts surtout algériens, étaient récupérés et emmenés par hélicoptère à l'identification à Alger pour savoir s'il n'y avait pas des chefs Felagal parmi les morts. Ils passaient à l'identification. Quant aux morts français, ils étaient acheminés par la voie terrestre. Donc nous passons au-dessus de ce poste, on me dit blessé spécial. Alors ça, c'était un code que nous avions avec les troupes au sol, c'est que les chefs, les commandant de compagnie, capitaine ou même les lieutenants, lorsqu'ils avaient un cadavre français près d'eux qui les empêchait de progresser ou qui, disons, n'était pas très favorable pour le moral de leur troupe de traîner un cadavre d'un copain, on essayait de les récupérer. C'était ce qu'on appelait un blessé spécial. Quand on se reposait avec notre mort, on faisait une déclaration comme quoi on l'avait pris vivant, mais qu'il était mort en route. Et on faisait une déclaration de décès en vol. Donc, je leur dis, écoutez, on porte nos oignons, on va livrer nos oignons, on revient, on vous prend vos blessés spéciaux. Et on se repose, au retour, comme convenu. Les parachutistes étaient parmi des rochers, planqués dans des rochers, et ils nous avaient préparé une DZ, une dropping zone, où nous pouvions nous poser sur un espacement assez plat. Et là, je vois arriver un jeune lieutenant qui me dit, oui, on va vous amener le cadavre de notre camarade qui a été tué. Il était en poste en sentinelle. Il a dû être fait prisonnier par les Felagas. Et la première des choses qu'ils l'ont faite, ils l'ont fait mettre nu. Ils l'ont tout pris. Ils l'ont abattu de 4 balles et ils lui ont mis le sexe dans la bouche. Ah oui, c'est une histoire. Son sexe qui était dans la bouche, et je l'ai remplacé par un papier d'immatriculation portant son nom, son adresse, etc., parce qu'il lui avait même pris ses plaques métalliques militaires. Oui, donc, cet officier, je ne me souviens plus, c'est un lieutenant ou un capitaine, me dit comment ce pauvre garçon s'était fait tuer. Et là-dessus, je vois arriver un brancard de fortune, où on m'amène le cadavre sanguinement. Et surprise, c'était le jeune avec lequel j'avais discuté le matin, qui était originaire de Lyon. Moi, étant ardéchois, nous étions presque du même pays. Il était dans un état pitoyable. Nous l'avons ramené sur notre base de départ des opérations. Et là, pendant que le mécanicien lavait le cargo, moi, j'ai fait la déclaration du décès en vol. Mais c'était vraiment illusoire, parce qu'on savait très bien, quand je l'avais pris, qu'il était mort. Il était dans un état absolument pitoyable. Et le mécanicien m'a fait remarquer que ce jour-là, notre H-34
Donc, le mécanicien navigant était en train de laver le cargo. Moi, je venais de remplir les formalités du décès en vol, qui ne faisait aucun doute. On savait très bien, c'était farfelu mon document, puisqu'on savait très bien quand j'avais pris ce garçon, compte tenu de son état, il était forcément mort quand je l'avais pris. Et le mécanicien navigant m'a fait remarquer que sur notre H-34, nous avions deux impacts de balles très forts qui avaient blessé des commandos à l'intérieur du cargo le matin, que nous avions dû ramener. On avait déposé les autres et on avait ramené ces deux garçons blessés dans le cargo. Et nous avions 27 impacts de balles au total. Ah oui, 27 impacts. Voilà, tirés aux armes automatiques, mais probablement tirés d'un peu loin, car ces impacts, quelques-uns avaient perforé un peu la tôle et n'avaient touché aucune partie vitale de notre hélico. Donc, après ça, je suis allé prendre une bière sous la tente qui nous servait de messe, ce qui était une tente installée pour l'opération. J'ai pris une bière, je me suis allé dans un coin de la tente tout seul, j'ai bu ma bière. Et j'ai beaucoup pensé à ce garçon qui m'avait parlé de sa petite fiancée, de ses parents. Et je m'imaginais les parents apprenant le décès de leur fils. Heureusement qu'ils ne l'avaient pas vu parce que ça serait absolument affreux. Et la petite fiancée avec qui il devait se marier dès son retour, dès qu'il était libéré. De là, je suis allé me coucher sous une tente sur des picots qui nous étaient réservés. J'ai mal dormi de toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai pris un café, donc ça faisait 24 heures que je n'avais pas mangé quelque chose de solide. Et nous redécollions pour une mission identique le lendemain. Là, le lendemain, j'étais vraiment pas en forme. C'est moi qui ai fait le décollage. Et nous partions en formation en V. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mon collègue pilote, je lui ai dit, tiens, les commandes quelques instants, je vais prendre mes lunettes de soleil parce que je sentais que j'avais quelque chose qui me gênait au point de vue visibilité. Et je ne me souviens plus de rien puisque j'ai pris un malaise en vol. Il est évident que mon collègue a posé le H-34 sur un poste au sol très rapidement. Et bien entendu, je suis passé au centre d'expertise du personnel navigant. Compte tenu que j'avais pris un malaise en vol, on m'a supprimé ce qu'on appelle la classe 1 de pilote professionnel. Et je suis revenu à la vie civile. Voilà l'histoire de mon dernier vol sur H-34 en Algérie. C'est une explication, il n'y avait pas d'erreur humaine, c'était un défaut de la technique. Ah. Bon, il y avait un système pour déclencher l'alerte partant de Taverny sur tous les escadrons. C'est un siam auto, on appelle ça le téléaffichage. Hein, téléaffichage. En déclenchant depuis Taverny, il pouvait déclencher une alerte sur un avion, sur le total, peu importe, sur un avion en alerte. Donc l'escadron a reçu cet ordre d'alerte de décollage. Donc ils ne l'ont pas mis en doute, puisque c'était le système... C'était un ordre de décollage réel. C'était le système qui était officiellement fiable. Hein. Mais il y avait un orage à proximité d'Orange, et ça a perturbé les ondes électromagnétiques de diffusion. Donc l'ordre de décollage réel est apparu en zone d'alerte. L'équipage, il n'a pas réfléchi. Il a fait son devoir, il a mis en route, il a décollé. Et après, le problème, c'était le rappeler. Enfin, c'était prévu dans la mission, si au bout d'un certain temps on n'avait pas reçu l'ordre d'engagement, on faisait demi-tour. C'est ce qu'il a fait. Après, il a fallu annoncer ça au général de Gaulle. Et oui, parce qu'on a fait décoller une bombe atomique. À l'époque, c'était interdit déjà. Et le chef d'état-major Taverny est allé prévenir le général. En s'attendant à se faire remonter les bretelles de façon épouvantable, le général a dit, vous voyez que ça marche. Il avait du mot aussi. Quand vous avez croisé les Starfighters. Comment là, vous n'avez rien vu. Bon, alors moi, j'ai rien vu parce que j'étais né dans le radar. Oui, parce qu'on a fait une mission, un jour, on avait fait une mission en Allemagne. Et à l'époque, sur Mirage 3E, on définissait les critères de travail en basse altitude. Alors, on décollait en patrouille à deux avions. Et puis, il y a un pilote qui travaillait au radar, il ne regardait pas du tout dehors. Et l'autre pilote qui était un peu à l'extérieur, et puis lui surveillait l'espace aérien de façon à assurer la sécurité. Et on était parti sur un itinéraire en Allemagne, et qu'on avait pris à l'envers.
mais c'est l'état-major qui nous avait ordonné de prendre ce temps. Et ça, on ne le savait pas. Donc, on avait pris cet itinéraire, et puis, bon, à un moment, je vois deux fumées noires qui arrivent. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il y a 204 qui nous ont croisés, mais alors, là, les uns dans les autres, enfin, imbriqués les uns dans les autres. J'en ai parlé à mon équipier, on a fait demi-tour, on est rentré. À l'état-major, je pense qu'il y a eu des explications de gravure, parce que nous, en fait, on n'y était pour rien. Hein, donc, mais par contre, on a dit la sécurité. Mais n'empêche qu'on naviguait, on était aussi précis qu'eux, parce qu'on était sur le même principe. Ah ben, ça prouvait qu'on était sur le trait. Ça prouvait qu'on était sur le trait. Et c'est quatre allemands, bien sûr. Canadien. Oui, surtout. Canadien, vous aviez dit. Sur Canadien, oui. Alors oui, c'était Canadien. Il y avait des Canadiens. Voilà. C'était à l'époque où les escadrons de face avaient passé une semaine à Solenzara pour faire une campagne de bombardement. On avait accroché sous le ventre de cet avion trois petites bombinettes ridicules qui ressemblaient presque à des bouteilles de Coca-Cola et qui étaient censées et qui simulaient la trajectoire de la bombe freinée, de la bombe réelle freinée. C'est assez curieux, mais bon, ça marchait très bien. Alors on faisait donc cette campagne de tir sur le champ de tir de Diane, si mes souvenirs sont exacts, au nord de la base de Solenzara. On partait en patrouille de trois avions, simultanément, dans le même créneau, et on se passait sur l'itinéraire, de façon à ce qu'il y ait un avion au moment du largage de sa bombe, un avion qui était en éloignement, et un avion qui était en approche avant le bombardement. Donc on avait déjà fait un bombardement. Et pendant la phase d'approche, j'ai un voyant huile qui s'est allumé. Le voyant huile du réacteur gauche. Les consignes étaient très simples, c'était clair et net. Un voyant d'huile s'allume, on coupe le réacteur correspondant. Mon ami Francis Beckenheim était surveillant des vols à la tour de contrôle. Je lui ai annoncé mes ennuis. Il m'a confirmé, il m'a lu les procédures, couper le réacteur, ce que nous avons fait. Sur un biréacteur, a priori, ça ne pose pas de problème, puisque deux réacteurs, le deuxième est fait pour supporter l'avion. Donc, on a poursuivi. J'ai dit, maintenant, je vais me poser à Solenzara. À ce moment-là, on était cap au nord, et à travers la base de Solenzara, disons, à une 5 à 10 nautiques, je ne sais plus exactement, à 602, parce qu'on faisait justement, c'est le seul endroit où on pouvait faire du bombardement à 602. Donc j'ai coupé mon réacteur et j'ai fait un large virage par la droite pour venir me poser à Solenzara face au nord. Il y avait une couche de nuages aux environs de 2000 pieds, donc je ne pouvais pas monter dans les nuages, je voulais pour garder la vue du sol, j'ai fait mon virage donc au ras de la couche. Pendant ce virage, partant de 600 nœuds pour atteindre les 240 nœuds normaux pour faire la finale, la vitesse a chuté normalement, tranquillement. Quand la vitesse a atteint, disons, vers les 200, 300, 250 nœuds, j'ai réajusté le régime de l'autre réacteur pour maintenir la vitesse, pour finir la procédure. Et je me suis rapidement rendu compte que la puissance du deuxième réacteur ne suffisait pas pour maintenir l'avion en vol. La vitesse continuait à diminuer. Et puis, pour garder la vitesse, j'étais obligé de perdre un peu de d'altitude. La marge d'altitude étant assez limitée, puisque j'étais vers 2000 pieds au-dessus de la mer, j'ai donc essayé de rallumer le réacteur gauche, en disant de toute façon il est en panne d'huile, mais en le rallumant il donnera un peu de poussée quand même. Et ben, il ne s'est pas rallumé. J'ai essayé d'allumer la PC du réacteur droit, elle ne s'est pas allumée. Donc rapidement la vitesse a décru, passant les 200 nœuds en descente, je crois qu'on était vers les entre 500 et 1000 pieds d'altitude. J'ai ordonné à mon navigateur l'ordre d'éjection. Instantanément, j'ai entendu l'explosion de sa verrière et de son siège. Il m'a avoué par la suite que quand il avait entendu qu'il y avait des ennuis, que ça ne tournait pas très bien, il était prêt à partir les deux mains sur la poignée et il attendait l'ordre. Donc voilà, on s'est éjectés tous les deux, on s'est retrouvés dans notre petit canot. Et pendant la descente, j'ai vu mon Mirage 4 qui a fait une énorme gerbe, qui est tombé pas trop loin de nous, mais qui est tombé en piquant dans la mer, avec une énorme gerbe, et on s'est retrouvé dans notre petit canot, dans les embruns. Enfin voilà, c'est une aventure qui n'est pas très 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 amusante, mais le Mirage 4, c'était un excellent avion. Mais moi, c'est le truc que je préférais. Oui, moi aussi, d'abord, parce que c'est vraiment l'avion complet. Pour la mission,
pour le travail du pilote dedans, c'était à l'époque, c'était le summum. D'ailleurs, après, ils ont abandonné, ils ont mis des biplaces pour faire les mêmes choses. Oui. Parce qu'on était au summum des capacités, des possibilités, disons. C'était un avion vraiment complet. Vous pouvez nous raconter ce que c'était que le poker, alors, monsieur Copalex? C'était l'exercice le plus important des FAS. C'est-à-dire qu'ils mettaient en œuvre la totalité de la flotte disponible pour simuler un plan de frappe. C'est-à-dire que tous les Mirage 4 de tous les escadrons décollaient, ça faisait à peu près 4 à 5 avions par escadron, qui décollaient ensemble, tous les 635, avec des missions d'un plan de frappe, donc différents rendez-vous sur les axes de ravitaillement, 3 ou 4 Mirage 4 par 635, qui faisaient le plein pour effectuer leur mission. Et je me souviens d'un spectacle assez extraordinaire en Atlantique, un soir, en crépusculaire, au soleil couchant. Les 635 étaient sur des rails parallèles, face à l'ouest. Derrière chaque 635, il y avait donc les 3 ou 4 Mirage 4 qui ravitaillaient ou qui attendaient leur tour. Sous les traînées des 635, ça représentait effectivement comme des rails. Et les Mirage 4 illuminaient le ciel avec les flammes de leur post-combustion. C'était un spectacle extraordinaire. Là, on avait réellement l'impression, mais c'était même plus qu'une impression, la certitude qu'on était dans une force assez... Je suis troublé. De vous retrouver, ça fait combien d'années que vous êtes parmi nous? Ça fait, écoutez, j'ai quitté l'armée d'air en 92, et une cabine de MH3, dernière fois, ça devait être en 80. 1980, le dernier vol en MH3. Ça fait un bail, hein. 36 ans. Ouais. Oui, ça fait drôle. Après, j'ai fait du fouga. C'était pas mal non plus, mais c'était franchement, les sensations étaient moins belles. Ouais. Oui, c'est vrai que dans votre livre, vous parlez des sensations, les premières sensations quand on est dans un Mirage. Ouais, oui, moi, ce que je me souviens, la première sensation quand je suis monté dans un avion comme ça, c'était le Mystère 4. Je me souviens quand j'étais monté sur le siège, le premier vol, et que j'avais vu la dérive derrière aussi loin, le truc aussi haut, je me demandais si j'y arriverais. À faire décoller un engin pareil. Ah, c'était quelque chose quand même. Hein. Vous vous rendez compte, à tout juste 20 ans, se mettre dans un engin comme ça, et ça fait quelque chose. Donc je recommence alors. Ok. Là, on regarde l'état du train avant, hein, avec des fuites éventuelles, etc. L'état de la roulette de nez. On continue pour regarder la peau de l'avion, le dispositif optique asservi. On continue vers l'avant en regardant l'état des phares. Il y a le phare d'atterrissage, le phare de ravitaillement à vol. Ensuite, les tubes pitot avec les prises d'air statiques et dynamiques. Là, les tubes pitot, c'est pour donner la vitesse de l'avion, la pression atmosphérique, etc. Là, les antennes de contre-mesure électronique, qu'on appelle les antennes à gaz. On continue vers la prise de ravitaillement en vol et l'état du gland ici, pour voir si tout est en état, bien sûr. De l'autre côté, la même chose, avec d'autres tubes pitot pour d'autres centrales qui sont à bord de l'avion. On regarde si le compartiment d'oxygène est bien fermé, parce que c'est de l'oxygène liquide que nous avons à bord de l'avion.